Oh, les fumiers! Oh, les rats! Comment ça va, les fumiers? Comment ça va, les rats? Comment ça va, les frères? Comment ça va, la famille? Comment elles vont les fraudes? Comment ils vont les gout? En ce jour, deux matchs du Barça, le dernier match du Barça avant le match du PSG, les gars. Le Barça, c'est leur dernier match. Nous, il nous en reste trois de notre côté. Eux, c'est leur dernier avant le PSG. Et ça, c'est quand même inquiétant. Bon, comment va tout le monde? Avant de dire bonjour à tout le monde, le Grassico sur la chaîne de Momo, les gars, à 21h. Voilà, comme ça, vous savez, ça sort à 21h sur sa chaîne, en détente. Merci, Bir, pour le don de 2€. Merci ma biche. Bon, comment va tout le monde? Comment va Lordes, Adèle, Rami, RH, Riquin, Omar, IZK, Marzouk, Sébastien, Narek, Nouri, Marwan, mon frère, Rika la Canaille, Cargo, Bénédicte, Adèle, Zoutei, Ryan, Mbeng Barça, l'immigré en chien qui est en Ami, Hossin, Adam, Augustin, Christelle, Sohaib, Lloyd Banks, Problis, Cargo, Freeze, Marwan, Gina, Niroz, Tcherno, Police Nationale, Martin, RH, IZK, Moula, Nettoyeur, Ryan, Adam, Kylian Immortel, le Parisien Yanis, Rion du Varsin qui est en Freeze, Fan FCB, Junior, Garid, Hossin, Nizar, inquiétant les gars, Ivana, la chaîne YouTube d'Iyad, KCD mon frérot, Lucas, Abdel Jalil, Kaizok, CG Prince, Junior, Nizar, Iles, Madou, Johan, Gabriel, I Love Francfort, Lucas, Yosko, Le Fouteux, Kyrian, Ryan, Adama, Killer, Diallo, Yolandi, Riles, Ressim, Vangé, Gélis, Letic, Serge, Marc, Nezox, Nizar, Titoff, Dilanou, Sandowski, bref, tout le monde les mecs, tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai YouTube God, tout le monde les gars, YouTube God, Nicolas mon frérot, bon vieux Gabzoï, Tommy, bref tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien en ce jour de match du FC Barcelone les gars, le FC Barcelone qui va jouer son dernier match contre Las Palmas avant de jouer le Paris Saint-Germain. Les gars, honnêtement, bon déjà ce truc là que le Barça joue un dernier match alors que nous on en a trois, ça peut jouer pour nous les mecs, parce que franchement taper quand même deux semaines sans faire un seul match, ils vont peut-être manquer de rythme. Il y en a qui vont dire ouais ça évite les blessures tout ça, mais deux semaines sans jouer, c'est, je sais pas, moi je trouve que quand même il y a de fortes chances qu'ils manquent de rythme en vrai. Deux semaines sans jouer, pour moi je prends ça comme un avantage pour Paris en vrai de vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je prends ça comme un avantage pour Paris. Après je sais pas comment vous voyez le truc, mais au moins nous on va arriver, on sera à peu près en forme, enfin on sera en forme quoi. Même si oh là, on aura un match 3 jours avant, tu fais tourner, mais enfin la trêve c'est fini, ouais, enfin. Samedi, finale de Coupe du Roi, c'est pour ça, ouais, je sais la légende, je sais. Et merci beaucoup Flopanam pour le 28e mois de sub, merci beaucoup ma biche, merci beaucoup ma canaille, t'es un crack, merci beaucoup. Pourquoi tu ne live pas Dortmund-Bayern? J'avais pas envie, parce que dans tous les cas, il y avait Barça-Las Palmas et voilà quoi. Après bon, le Bayern y perd de toute façon 13 points d'écart avec Leverkusen, ça y est, c'est terminé. J'ai pas Amazon Prime pour le match, j'irai sur Winamax voir nos deux sumos préférés. Ouais, c'est vrai qu'on commence. Les gars, oubliez pas que demain je commente le Classico avec Momo. C'est pas sur ma chaîne, de toute façon vous avez l'habitude maintenant pour le PSGOM. Les PSGOM, je les fais jamais sur ma chaîne, c'est toujours avec Momo sur sa chaîne. Donc en détente. En détente, Saraftolog, merci beaucoup, soyez toi aussi mon frère. Yo, ton prono pour le classique. Merci Babsco pour le don de 2€. Prono pour le classique, en vrai. En vrai, j'ai pas envie d'abuser. J'ai pas envie d'abuser, t'as vu. J'ai pas envie d'abuser. Donc je vais quand même, je vais dire 4-0. Je vais dire 4-0. 4-0 Paris. Voilà. Je vais dire 4-0 Paris. On les danse. Et merci Ethan pour le resub. Yo frérot, quelle heure demain sur les champs? Bref, ça t'inquiète, je t'oublie pas Ethan. Je pense, bah, je sais pas à quelle heure je vais arriver en vrai. Je sais pas à quelle heure je vais arriver, mais je pense à. En fait, je peux pas te donner une heure exacte avec les bouchons et tout, je peux jamais pré-shot. Mais je dirais sûrement. j'en sais rien. Je t'envoie un message de toute façon, Ethan. Mais franchement, là pour le coup, j'en sais rien. Je sais pas du tout. De toute façon, ce sera toujours les mêmes heures. Je sais pas à quelle heure j'arrive en général. Je crois que je vais arriver sur les coups de 18h30 peut-être. 18h30 comme ça. Un truc comme ça, je pense un truc comme ça.
Mais de toute façon, t'inquiète, je t'envoie un message après. T'inquiète, t'inquiète, je t'oublie pas. Oui, les gars, le combat, les compos sont officiels. Les gars, le combat sera 21h sur la chaîne de Bombo. Le combat sera aujourd'hui à 21h, les mecs. Il sort à 21h. Il sort à 21h. Ouais, le live demain, c'est sur Winamax, ouais. C'est relou d'être bouboule. Eh, les gars, attendez, par contre, les gars, je sais qu'on est. Je sais que je suis gros, etc. Tout ça, y a pas de problème. Mais les mecs, sachez que la ceinture de sumo, elle te rend plus gros que ce que tu n'es, les mecs. Hein. Je vous le dis. Je vous le dis. On essayait de trouver des solutions pour trucs. Mais non, c'est impossible parce que la ceinture, elle te remonte tout. Ça fait ton corps, t'as l'impression qu'il est coupé de moitié. Donc tout remonte. Tout remonte, les gars. Tout remonte. C'est effrayant. Vraiment, c'est effrayant, les gars. Vraiment, c'est effrayant. Non, pour le coup, la disquette. Non, mais c'est vrai, Mab. Bah, regarde. Regarde, frérot. Tu vois quand même que. Tu vois que je suis pas maigre. Tu vois que je suis pas maigre, mais quand même. Eh, doucement, on dirait pas la boulette que je suis sur les photos et toi, tranquille. Tranquille, doucement. Je suis pas maigre, je veux bien, mais les gars, vraiment, la ceinture, comment elle remonte tout, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Yanis, t'es notre Obélix parisien. Les gars, il y a un fumier qui a dit t'es pas gros, t'es juste rempli de l'amour de ta commu. C'est effrayant. Même moi, je parais très très grave. Mais Raph, je sais pas, bah après, je sais pas si t'as déjà vu. Mais franchement, la ceinture, c'est impressionnant comment ça fait tout remonter. En fait, c'est comme si ton corps, ton torse était coupé de moitié et que tout devait tenir sur une moitié. En gros, vraiment, comme c'est serré à fond, ça remonte tout. Tout. Donc, ouais, non, c'est impressionnant. Après, je dis pas que je suis maigre. Hein. Je le suis pas. Mais je suis beaucoup moins gras que ce que vous allez voir sur la vidéo et ce que vous voyez sur les photos. Non, sur la vidéo et les photos, c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant, franchement. Je me suis remis en question très longtemps, mais non, au final, non, c'est pas le cas. C'est pas le cas, ça va, j'ai été rassuré par la famille hier et tout. Non, non, tranquille. Non, non, tranquille, les gars. Tranquille. Non, non, tranquille. Tu es pas maigre. Tu es pas le maigre que tu penses être. Non, je suis pas maigre, mais en détente. Je suis pas maigre, mais en détente, les gars. T'as gagné, je dis pas les gars, je dis pas, vous allez voir sur la vidéo. Vous allez voir sur la vidéo. Tout ce que je sais, c'est que je dois mettre quelque chose. Je vais mettre un commentaire après. Parce que les gars, tout ce que je peux dire, c'est que vous connaissez cet énergumène, il y a de la triche. Il y a eu de la triche. Et ça me va pas. Ben tranquille, vous allez voir sur la vidéo, c'est plutôt drôle. C'est plutôt marrant. C'est quand le fight il sort à 21h les gars. Prêt pour le Lamine Ball. Eh hey, mais JP, Lamine Yamal, en vrai le truc. Attends, parce que là pour le match du Barça. Comme le Barça ne rejoue pas avant le PSG, ça peut être dangereux pour vous. Hein, parce que déjà, ça veut dire que là, tu prends le risque d'avoir des joueurs qui vont se blesser. Donc, tu vas déjà arriver sans rythme. Parce que deux semaines sans jouer un match, c'est compliqué. Mais là, tu vas arriver en plus. Tu vas arriver, là, tu es obligé de mettre tes joueurs à peu près titulaires. Et pas tout le monde, mais voilà quoi. Donc, tu prends le risque de perdre quand même la Miniamal, tu vois, les Rafinha, etc. Tu prends un risque de blessure. Donc faut quand même faire gaffe. Faut quand même faire gaffe. Préparez-vous pour Faye. Mais après, Faye était bon déjà sur les matchs qu'il avait déjà fait avec le Barça. Il était déjà bon sur les quelques matchs qu'il avait joué avec Barcelone, les gars. Donc ça déjà faudra voir. Dortmund a battu le Bayern. Ouais, ça j'ai vu. Terminé les gars, Leverkusen sera champion, il n'y a aucun problème là-dessus. T'es stressé pour le match contre le Barça? Bah en vrai, comment ne pas stresser? Mais en fait le problème c'est que nous on a encore plein de matchs à faire et des matchs importants. Tu vois, là, le Barça, après ce match-là, ils vont avoir la tête tournée à Paris. Nous, on doit encore avoir le match contre Marseille demain. On a le match contre Rennes, très important en Coupe de France. Et on a le match contre Clermont en Ligue 1. Donc, nous, on a trois matchs. Les gars, rendez-vous compte qu'après ce match-là, le Barça n'a plus de match à jouer avant Paris. Nous, on en a trois avant eux. Ça c'est inquiétant par contre. C'est pas bon pour le Barça. Moi je pense aussi que c'est pas bon. Je pense aussi. Faut que Christensen revienne. Christensen est pété. Il s'est pété. Il s'est blessé quand Christensen? J'ai raté un épisode là. Très incertain pour le PSG, oui j'ai vu. Ah ouais? Bah il s'est blessé en sélection alors. Il s'est passé quoi? Non, pas blessé. Non, il est pas blessé, juste un coup. Ils veulent pas prendre de risque, donc pas là.
Mais il s'est blessé quand? C'est pas sur un match du Barça, impossible, il était là sur le dernier match. C'est pendant la trêve ou c'est pendant l'entraînement? Il s'est blessé, il est incertain avec Araujo hier. Araujo, c'est pour moi les gars, j'ai des doutes Araujo. Hein. En sélection, je crois à l'entraînement. Ok, bah j'avais bien vu, Raf, j'étais pas au courant. Mais Araujo, les gars, c'est pareil, ça va être chaud Araujo. Parce que lui aussi, apparemment, il n'y a pas de raison, il n'a pas fait tout l'entraînement hier et tout. Donc même Araujo, il y a quand même des questions qui se posent autour de lui. Il y a des questions. J'ai vu Loguito, il se posait la question sur ça. Loguito, il se posait la question sur ça. Donc, ouais, c'est quand même bizarre en vrai. Il s'est blessé avant le dernier match. Blessure tendon d'Achille. Bon, après, on verra bien de toute façon, les gars, ce qui se passera, quoi qu'il arrive. Mais De Jong apparemment devrait être là. Mais en fait, le problème, c'est que tu vas arriver sans rythme, en fait. Tu vas arriver sans rythme. Moi, je me pose la question. Regarde, ça veut dire que Christensen n'aura pas joué pendant limite un mois. Et Christensen va arriver au Parc des Princes, Ligue des Champions, titulaire. Sans avoir joué un seul match pendant un mois. Pareil pour De Jong. Pareil pour Araujo. Araujo n'a pas fait une minute avec l'Uruguay. Il n'a pas fait l'entraînement complet avec le Barça. Araujo va arriver sans rythme aussi contre le PSG. C'est... Les gars, moi je pense quand même que le Barça, attention, bah, y a les entraînements, ça va. Ouais, mais quand même, le rythme des matchs, c'est différent, frérot. C'est différent, ma biche. Ils seront frais. Ouais, bon, après, frais... C'est quand même inquiétant, hein, pas ce mytho. C'est quand même inquiétant. De Jong, je m'inquiète. De Jong, je m'inquiète, Niararo. Ton message n'est pas clair, Watch. Il est pas clair, là. Il est pas clair. Tu vas aller voir un match cette saison? Ouais, je dois y aller. Je devais aller voir PSG Clermont, mais c'est à 21h et semaine prochaine. Donc je peux pas, parce que moi, je dois y aller avec mon frère et mon neveu. Mais là, il peut pas semaine prochaine. Donc je sais pas encore lequel j'irai voir. Je crois que j'irai voir le dernier match au Parc. Logiquement, je pense qu'on va essayer de viser celui-là, le dernier match au Parc. Mais le truc, c'est que c'est le soir et pour le neveu, c'est chaud. Je sais pas, on verra bien. On verra bien. Araujo s'est entraîné avec le Barça. Ouais, mais pas tout l'entraînement. Il a pas fait tout l'entraînement. Christensen à l'échauffement contre l'Atlético. Donc ça veut dire que là, attends, qui est out de sûr pour le match aller contre le PSG? Qui est out de sûr pour le match aller? Pedri, ça ok. Pedri, Gavi. Ouais, mais Gavi, ça on sait, Gavi c'est toute l'année, mais... Ouais, donc c'est Pedri, Gavi, Baldé. Non, Pedri sera là. À l'aller, JP, ça, apparemment c'est short, hein. Apparemment c'est short, il y a des doutes sur Pedri. Il y a des doutes. L'arbitre, j'espère, Gavi seulement. Pedri, il sera peut-être. Là, il a fait entraînement. Ah, donc Pedri sera là. Ouais, donc vous récupérez tout le monde, les mecs. Vous récupérez tout le monde, en fait. Balde, Gavi, peut-être Gavi, Pedri, peut-être. Pedri, peut-être là. Ouais, bon, ok, on verra bien. On verra bien. Mais ça veut dire que le Barça aura quasiment tout le monde, en vrai. Le Barça aura quasiment tout le monde. Le truc, c'est que vous allez arriver sans rythme. Maintenant, à voir si nous, on n'aura pas de blessés. Hein, parce que déjà, Barcola est pas là. Barcola est pas là. Je sais pas s'il sera là au final pour le match contre le Barça. Mais ouais, vous avez quand même pas mal d'absents. Enfin, là, vous avez pour l'instant beaucoup d'absents. Mais je pense que tout le monde reviendra. Les gars, vous prenez comment le fait de là que ce soit le dernier match avant Paris? On rappelle que le match contre le PSG, c'est le 10. Ça veut dire que le Barça va avoir un bon 12 jours sans faire un match. On va être sumo 21h sur la chaîne de Momo normalement. Vous le prenez comment? Est-ce que pour vous c'est un point fort ou une faiblesse ou un peu des deux? Pedri nul, d'accord. Point fort de fou. Ouais, j'ai vu sur Twitter pour Enrique, j'ai vu. Avantage, ça va, faible. Franchement, des deux soit tu viens frais, soit manque de rythme. Bah, en fait, ouais, c'est ça la question, en fait. Comment tu peux dire De Jong out, t'as craqué? De Jong out? Mais qui a dit ça? Mais qui a dit ça? Si j'ai dit ça, c'est dans le sens, c'est ce que De Jong est out pour le match. Ça veut dire, est-ce qu'il est blessé? Mais lui, il revient, c'est sûr, je crois. Tu penses que le PSG va gagner demain? Oui. Oui, oui. Oui, oui. Il n'y a pas intérêt de perdre, de toute façon. Il n'y a pas intérêt. Il n'est pas fort, De Jong. Il n'est pas fort, De Jong. Mais KF Gamer, t'es vraiment détraqué. De Jong, pas là, il sera là au retour.
Mais les gars, je comprends pas. Moi, on me dit, j'entends des trucs où on me dit que De Jong revient, c'est plus sûr que De Jong revienne que Pedri. Vous me dites l'inverse. Les gars, De Jong sera là, c'est sûr, non? De ce que j'ai entendu. Moi, pour moi, le doute qu'il y a sur les deux, c'est Pedri plus. De Jong sera là, Pedri, il y a encore un doute. C'est bien ça, on est d'accord. Oui, oui. Ouais, voilà. Et pour toi, avantage ou pas? Non, pour moi, pas avantage, Dylan. Bah là, en vrai de vrai, pour le Barça là, actuel, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça leur permet de récupérer tous leurs joueurs, tout ça. Mais en soi, de pas jouer autant de matchs comme ça... Je sais pas, hein. Franchement, je sais pas comment le prendre. Hein. Je sais pas comment le prendre. Parce que là, regarde, un exemple. Les gars, c'est quoi la date du dernier match de Christensen? La date du dernier match de Christensen. Dernier match où il a joué. Vu qu'il n'a pas joué contre l'Atleti. Contre Naples. C'est Naples le dernier. Et c'était quelle date? C'était quelle date Naples? Il a pas joué le match après Naples? Il a joué non? Après Naples, j'ai oublié, c'était qui après Naples en Liga là? Il a pas joué en Liga. Le 20 mars. C'était le 20 mars. Bah rendez-vous compte les gars, ça veut dire que Christensen par exemple n'aura joué aucun match du 20 mars jusqu'au 10 avril. Du 20 mars jusqu'au 10 avril, il n'aura pas joué. Les gars, en termes de rythme, c'est peut-être chaud. Hein. Non, moi je prends ça comme un désavantage en vrai. Enfin, pour moi, je pense que c'est quand même compliqué. Je pense que ça c'est... Bah oui c'est rien. Bah quand même. Quand même. En vrai c'est beaucoup frérot. C'est beaucoup. Arriver un peu froid comme... Ah je sais pas, on verra bien. Après c'est Ligue des Champions. De toute façon c'est au parc. Après faudra voir. On verra. Vraiment. Mais tu supportes le Barça. Comment tu vas faire pour PSG Barça? Mais va pleurer Dylan. Commence pas à essayer de vouloir faire frérot. Essaye pas frérot. Essaye pas. Yannis, t'as vu Dembélé Momo? Ouais, attends, j'ai vu, mais c'est pourquoi... Attends, j'ai pas compris pourquoi il a mis et pourquoi il a enlevé. Il a même pas parlé. Il a mis pour enlever derrière. La vérité, je comprends pas tout là. J'arrive pas. J'ai essayé de comprendre, mais j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé là avec lui. J'arrive pas à comprendre. Vraiment, c'est un détraqué d'Embouz. Ouais, là, j'arrive pas à comprendre. C'est quoi le combat avec Momo? Merci beaucoup, Jeanne, pour le don de 2,50€. Ça sort à 21h sur sa chaîne là. 21h, ça sort. 21h en détente. Même moi, j'ai pas compris. Ouais, franchement, là, je sais pas pour le coup. Je sais pas. Nous allons nous occuper du Barça et Poguito, la fraude va pleurer. Bah après non mais les gars, ça va, je le répète encore hein, mais ça va pas être facile contre le Barça. Ça va pas être facile hein. Tous ceux qui se voient déjà qualifiés ou autres les gars, ça va vraiment pas être simple. Ça va pas être simple. Pour moi c'est un match assez équitable, c'est un match un peu miroir avec deux équipes qui se ressemblent. Ça va dépendre de pas mal de choses en vrai. Ça va dépendre de pas mal de choses, de l'envie, du sérieux, ça dépend beaucoup, hein, ça dépend de beaucoup de choses. Et surtout, je me demande où va jouer Mbappé. Est-ce qu'Mbappé va jouer à gauche? Est-ce qu'il va jouer dans l'axe? Qui va jouer à droite s'il n'y a pas Barcola? En fait, s'il n'y a pas Barcola, les gars, l'équipe, ça va être quoi? Ça va être quoi? Mbappé à gauche, Ramos en pointe, Dembélé à droite? Je pense. Moi, je pense que ça sera ça. Hein. Mbappé à gauche, Ramos en pointe et Dembélé à droite. À moins qu'ils mettent Mbappé à gauche, Dembélé faux neuf comme il a fait contre la Sociedad et qu'ils mettent un Lee Kang-in ou un Asensio à droite, un truc comme ça. En fait, il est capable de tellement faire plein de trucs, Enrique. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on est illisible en vrai, on est illisible. Koundé va pocket le général Mobutu. T'y crois, JP? T'y crois, franchement? J'y crois pas, ma biche. J'y crois pas, franchement. Ou alors Colo à gauche et Mbappé en pointe. Je suis pas sûr qu'ils mettent Mbappé en pointe contre le Barça. Enfin après quoique c'est possible. Je suis pas sûr. Enfin quoique c'est possible. Mais j'ai un doute. Quand tu sais comment le Barça laisse de l'espace, ne pas exploiter la vitesse d'Mbappé sur le couloir, c'est peut-être dommage.
C'est peut-être dommage. Après, à voir, peut-être que le Barça va changer sa façon de jouer aussi, ça, on ne sait pas. Et merci Thomas pour le don de 5 euros. Franchement, Yannick, je suis mitigé au niveau de leur forme au Barça. Ils auront 12 jours pour se préparer. Attention aux blessures à l'entraînement. Ouais, c'est ça aussi, attention les blessures à l'entraînement. Parce que forcément, si tu joues pas pendant 12 jours, si tu fais pas un match, que tu vas récupérer des joueurs qui reviennent de blessures et qui vont, eux, vraiment manquer de rythme, pour préparer un match de LDC, tu vas être obligé de mettre de l'intensité. Qui dit intensité dit risque de blessure. Donc les gars, c'est vrai que ça, attention aussi. C'est pas parce que tu joues pas de match que t'as pas de risque de blessure. Au contraire, moi je pense que t'as encore plus de risque de blessure. Parce qu'en termes d'intensité à l'entraînement, tu vas devoir te donner pour être là. Tu vas devoir te donner. C'est ça qui est chaud en plus. C'est ça qui est chaud. Vraiment. Donc faudra faire attention à ça pour le Barça en réel. Faudra faire attention à ça. Non, je pense que le Barça c'est foutu. Je vois un monde où on gagne. Ça va être chaud. Hein. Yannis, t'as un corps de guerrier, mais tu sais pas bien l'utiliser. Va pleurer, Amine Lamar, t'es éteint, toi. T'as vu le match de Lamine Yamal contre le Brésil? Ouais, Lamine a fait un sale match. Lamine a fait un sale match. Mais de toute façon, quasiment tous les joueurs du Barça ont été bons là pendant les trêves. Parce que Koubarsi a été bon, Lamine Yamal a été bon. Gundogan a été exceptionnel avec l'Allemagne. Qui d'autre là? Je sais plus. Salut Mister, le Classico Yannis vs Moini sera aussi attendu que le match. Ah ouais, vraiment Papa Furax là? Après il arrive celui-là, il arrive, ça va normalement dans 20 minutes. Moi il m'a dit 21h il sort. Il m'a dit il le sort à 21h, donc on verra. On verra après, est-ce qu'il sera à l'heure, ça je sais pas. Koundé, Ter Stegen. Ter Stegen après sur le deuxième match de l'Allemagne, j'ai pas trop fait gaffe, je sais pas s'il a été bon sur le deuxième match. Yannis Beraldo sera sur le banc. Le problème du PSG les gars, écoutez bien, le problème du PSG c'est quoi? C'est qu'on va récupérer Marquinhos et Skriniar. Alors, il y en a qui vont se dire, bah c'est une bonne nouvelle. Non, pas une bonne nouvelle. Pas une bonne nouvelle. Moi, maintenant, j'ai peur qu'on arrive contre le Barça avec une défense centrale, Marquinhos, Skriniar. J'ai très peur de ça. Les gars, parce que vous le savez, Skriniar était dégueulasse, mais il forçait avec. Hein. Luis Enrique, il forçait avec. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète. Mais dans tous les cas, je pense, les gars, que Marquinhos récupérera sa place de titulaire. S'il est disponible pour le match contre le Barça, et vraiment en forme, et jugé en forme, il sera mis titulaire pour moi et Beraldo sautera. Je vous dis la vérité. Pour moi, c'est Beraldo qui va sauter. Parce que dans tous les cas, on joue avec deux défenseurs centraux gauchers. Et je pense que ça plaît pas à Luis Enrique. C'est pour ça qu'il va compter sur Marquinhos, je pense qu'il mettra Lucas Hernandez. Pour moi les gars, Lucas Hernandez et Beraldo, ils seront en concurrence. Là on les voit jouer ensemble, etc. parce qu'il y a des blessés. Mais moi je pense qu'au final, Beraldo et Lucas Hernandez, en vrai ils seront en concurrence. Ils seront pas alignés ensemble. De gaucher, je crois qu'il aime pas ça Luis Enrique, je crois qu'il aime pas ça. Maintenant ça me fait chier d'enlever Beraldo, franchement quand tu vois les matchs qu'il nous sort, etc. Beraldo s'est fait manger par Lamine. Bon après frérot il faisait ce qu'il pouvait, mais après je l'ai pas trouvé non plus dégueulasse. Après ouais, il s'est fait manger plus d'une fois. Après il a été bon sur le premier match contre l'Angleterre, il a été très bon. Après contre le Brésil ça a été plus dur. Après il a fait des bons retours aussi sur Lamine. Il a fait des bons retours, mais après Lamine les gars de toute façon c'est un dribbleur. C'est un joueur qui est dur à contenir ce mec là. C'est un joueur qui est dur à contenir, il est dur à gérer. Il est dur à gérer, ça va être dur. De toute façon les gars le duel ça sera pas Beraldo, ça sera pas Beraldo Lamine Yamal. Hein. Ça sera Nuno Mendes Lamine Yamal. Ça sera ça le duel. Hein. Ce sera ça le duel les gars en vrai. Ouais demain je commente le classico avec Momo ouais, sur Winamax comme d'hab. De toute façon vous avez l'habitude avec les PSG OM maintenant. D'ailleurs les mecs hein, demain pendant l'avant-match, je pense qu'on fera ça pendant l'avant-match. Pendant l'avant-match demain, il y a un bras de fer qu'on doit faire ensemble. Le perdant paye une Play 5. Donc soyez là. Après on verra comment on fera pour la faire gagner. Moi ça me dérange pas de choisir un nom dans le chat direct, mais bon c'est pas mon chat. Donc dur de gérer derrière mais. Moi ça me dérange pas. Donc demain il y a éventuellement une Play 5 à gagner les gars. En sachant qu'il vous en doit déjà une ce fumier. On va bien lui rappeler. On va bien lui rappeler. T'inquiète pas, on va lui rappeler. On va lui rappeler bien comme il faut. Ça fera deux. Ça fait. Eh les gars, ça fait combien de temps qu'il la doit? Un an et demi là. Ça fait un an et demi qu'il doit une Play. Oh putain ce crevard, il va l'offrir quand ce sera la PS6. Inquiétant vraiment. Yannis t'inquiète, Nuno va éteindre. Simple Lamine. Mais après, attention les gars, Lamine Yamal est un bon joueur. Hein. Lamine Yamal est un vrai joueur. Hein.
c'est un bon joueur. Les gars, en fait, il y en a beaucoup aussi qui parlent du Barça sans réellement regarder ce que le Barça fait, etc. Après ça, je peux l'entendre quand tu veux, d'un point de vue extérieur, quand tu vois ce qui se passe à Barcelone cette saison, tout ça, tu te dis ouais, c'est moins fort, etc., etc. Déjà, faut pas oublier que nous aussi, on est dans une position un peu délicate, même si voilà, ça, tu vois, c'est en termes de saison, on est bien. Mais dans le jeu, c'est pas encore tout à fait ça. Il y a des trucs qui vont pas, etc. On prend beaucoup de buts, on n'arrive pas à tenir les matchs. Donc on a aussi des faiblesses, on a des faiblesses. Mais quand tu regardes le contenu des matchs du Barça, là, tu vois quand même que... Ouais, non, ça joue, ils ont des qualités, ça joue bien. C'est pas la meilleure équipe du monde, ça c'est clair. Mais ils ont des qualités, donc faut pas sous-coter. Pour moi, c'est vraiment du 50-50 pour le coup. Contre Rennes et en Coupe de France, un sacré pari arrangerait vraiment l'OM. J'avoue, j'y pense. Attends, contre Rennes et en Coupe de France? Pourquoi et en Coupe de France? Un sacré de pari arrangerait vraiment l'OM. J'avoue, j'y pense. Tu parles que de la Coupe de France, ta première phrase. Contre Rennes et en Coupe de France. Tu parles que de la Coupe de France, ça englobe que ça. Bah, Raph, ça vous arrange? Ouais, mais c'est le début de la phrase que j'avais pas compris. Contre Rennes et en Coupe de France. Rennes, c'est en Coupe de France. Oui, ah oui, oui, en finale, ok. Ouais, ça peut... Bah après, je pense pas que... Honnêtement, je pense pas que vous serez 7ème. Je pense pas que vous serez 7ème, je te dis la vérité. 7ème, si vous finissez 7ème, c'est quand même inquiétant, mais je pense pas, Raphaël. Je pense pas. Pour moi, c'est... Je sais pas, j'arrive pas. Non, c'est impossible. 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 La story à Momo, il y a mis un autre truc. Oh, il a décalé encore, 21h30. Bon, ça, c'est un raciste. Oh, c'est trop, les gars. C'est trop, les gars. Bon, après, 21h30. Ouais, bon, il le saura 21h30, inquiétant. Inquiétant. Bon, il le saura 21h30. Ouais, il abuse. Ouais, les gars. Il est inquiétant, vraiment. Vraiment, il est inquiétant. Il est inquiétant. Vous êtes des belles personnes, vous et Momo. Hâte de vous voir ensemble demain. Les gars, hey, par contre, vraiment, je le répète encore une fois. Vraiment, je le dis, je le répète encore une fois. Vraiment, les mecs, hein. Parce que, je le dis, moi, ce truc-là, le fait de faire des combats de sumo, tranquille, faire ce qu'on fait là avec Momo, etc., honnêtement, je pourrais pas le faire avec quelqu'un d'autre sur un truc comme ça. Honnêtement, je pourrais pas. Et je vous dis la vérité, je le répète encore une fois, parce qu'il y en a peut-être beaucoup qui, ouais, ils se disent, ouais, peut-être il me saoule avec ses vidéos sur Paris, truc, aller voir nos adversaires, les encourager. Les gars, je le répète encore une fois, hein, j'ai rarement vu. Mais vraiment, les gars, vraiment, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi gentil, quelqu'un d'aussi généreux que Mohamed. La vérité, les mecs, je vous dis la vérité. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi gentil que ce mec-là. C'est vraiment un bon. Et je vous le dis, c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon. C'est un gars très gentil. Si t'as besoin de lui, il est là. Vraiment, les gars, c'est vraiment un bon. Vraiment. Généreux de quoi, il nous doit une PS5. Ouais, sur ça, ouais. Mais non, mais vraiment, les gars, c'est vraiment un bon. Franchement, pour le coup, c'est vraiment un bon. On va pleurer, Amine Lamar. Inquiétant. Il est bon, Momo, il est très sympa. Non, franchement, c'est vraiment un bon mec. C'est vraiment un bon mec. Ça se voit, il est cool, chouette gars. Ouais, mais je pense qu'en plus, ceux qui l'ont déjà rencontré, vous le savez. Mais non, franchement, c'est vraiment un bon. Après, il est comme il est. Ça clash, même en off et tout, ça clash. On se clash sur PSG, OM, ça se clash. Mais non, très gentil, franchement très gentil. Alors, comment ça a été à l'entraînement? Bah là, ça y est, de toute façon, la vidéo sera 21h30, là. Ça sera 21h30. C'est quoi le résultat du combat? Mais dans tous les cas, les gars, je vais mettre un commentaire. Ne le regardez pas. Quand la vidéo sort, je mettrai un commentaire. Ne le regardez pas. Parce que j'ai précisé, spoil. Parce que je vais parler de quelque chose. Mais ne le regardez pas. Sinon, vous allez être spoil de la vidéo, c'est zéro. Yanis, défi PS5. On met un défi maintenant? Bah déjà, il y a un bras de fer pour la Play 5. Les gars, vous voulez me dépouiller, vous, je reconnais, là. Comment il va, Antox? Yanis, vous parlez que de la mini-amal, mais il y aura Ferran, Félix, ils vont vous manger. Bah, encore heureux, frérot, vous jouez pas le football, ça se joue pas à un, bien sûr qu'il y aura toute l'équipe. Bien sûr. En plus, Ferran fait une bonne saison, là, pour le coup. Oui, défi PS5, vas-y, vous voulez mettre quoi comme défi Play? Non, pas ce soir, au pire, demain. Bah demain, il y en aura un, ça, c'est certain. Moi, demain, j'en mets un, quoi qu'il arrive. Tu connais foot de rue, qui connaît pas Asna. Merci beaucoup pour le don de 2 euros. Merci beaucoup.
Ça va tranquille, Antox. On détente. On détente. Plus de 5 buts dans le match. Blessure barcelonaise. Plus de 5 buts. But de la Miniamal. Ouais, ouais, un but. Ouais, bah ouais, MDR. C'est un attaquant, mais je vais mettre un but. T'es beau, toi, t'es beau. T'es beau. T'es bien beau, toi. Triplé et une passe D de Levan. Si tu veux, la Miniamal humilie des pères de famille des FIPS 5. Doublé de la Miniamal ou un but de passe D pour la Miniamal. Deux blessés Barcelone. Non, je fais pas de défi sur les blessures, les gars. Abusez pas. Wesh. Doublé de Gundo. Retourné de Koubarsi. Ton prono Barça Las Palmas. Non, je vois le Barça gagner. Franchement, je vois le Barça gagner. Je vois le Barça gagner. Deux buts de Levan. But de Roméo, Koubarsi passe D. Merci beaucoup Anto mon frérot pour le don de 5 euros. Leverkusen, on doit en parler, c'est atroce. Non mais vraiment, en plus, c'est trop, on dirait que c'est scripté Leverkusen. Leverkusen, c'est une dinguerie, il marque à la 88e, 91e pour gagner. Pff, on dirait que c'est scripté Leverkusen, c'est une dinguerie. Merci en tout cas à toi Anto mon frérot. Merci Anto pour le don de 5 euros. Je sais pas ce qu'on peut mettre les gars comme défi. Vous êtes pas originaux là, c'est inquiétant. 3 buts sur corner. Le Barça va gagner à l'aise normalement. 5 buts dans le match, doublé de deux attaquants. Tous les buteurs n'ont pas de A dans leur prénom. Tous les buteurs n'ont pas de A dans leur prénom. Attends, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, les attaquants, et Ramirez. Ouais, tu te fous de ma gueule en fait. Tu te fous de ma gueule. Et si jamais Mounir y marque, vous allez me dire non, mais c'est Mounir El Haddadi, il y a un A. Non, non, casse-toi avec ton défi. Casse-toi, toi je te reconnais, toi. Toi je te reconnais, dégage. Dégage, dégage. Gundogan. Ouais, 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 allez, dégage. Dégage. Si vous voulez, je mets le défi. Les buteurs, faut que tous les buteurs du match, il n'y a pas de A dans leur prénom. Si vous voulez, on met ça. S'il n'y a pas de A, ça me va. Ça veut dire si le match termine à 1-0 avec un but de Koundé, c'est gagné. Vous voulez ça ou pas? Non mais là je demande, tu me dis c'est noté chef. Là je vous demande, est-ce qu'on met celui-là? Non. 2 CSC. Un but du milieu de terrain. Je sais pas les... Bah attends, je vais mettre un sondage, attends. Attends, je vais mettre un sondage. Yanis, pour mon anniv, j'ai reçu un maillot de Mbappé en bleu. Est-ce que tu sais si j'ai le ticket, si on peut changer la couleur du maillot et le flocage? Non, s'il est floqué, tu peux rien faire Ethan. S'il est floqué, tu peux rien faire. Floqué, c'est mort. Enfin je crois hein. Il me semble, en fait je sais pas, demande. Mais il me semble que si c'est floqué c'est dead. Je crois, je suis pas sûr. Alors attends, on va mettre un sondage. Vas-y je vous écoute, attends, un but par ligne. Attends, on va mettre déjà, on va mettre pas de A dans le prénom des buteurs. Pas de A dans les buteurs. Ok, ça c'est bon. Ok, donc pas de lettre A dans les buteurs, ça c'est bon. Ensuite, deuxième, on met quoi en sondage? Triplé de la Miniamal. Doublé de Ferran ou Roquet s'il rentre. Bah, on va mettre doublé d'un remplaçant, vas-y, doublé d'un remplaçant. Doublé d'un remplaçant. Ensuite, un penalty, deux buts de la tête. Le but de la tête, c'est pas extraordinaire en vrai. Trois pénaux, but de Koubarsi. Yanis, t'es rancunier ou quoi? Rancunier de quoi, Farid? Deux buts de mauvais pied. Ah non, ça s'est claqué, ça. Défaite du Barça. Défaite du Barça, si vous voulez, on le met, hein. Il y a un mec, il a dit Yamal fait encaramé si je suis mort. Que des buteurs non attaquants. Penalty. Attends, on va mettre deux penalties dans le match, vas-y. Deux penalties dans le match. Et le dernier? Le dernier, je vous écoute. Quelqu'un a un truc original ou pas? Plus de 5 buts dans le match. Plus de 5 buts, ça veut dire 6 minimum. Ou 5. Ça veut dire 6 buts minimum dans le match.
5 VAR. 5 VAR, ça fait beaucoup en vrai. Ah, vas-y, on va mettre 5 buts minimum dans le match. Vas-y, à vous de choisir, les gars. À vous de choisir. Franchement, tous les défis sont possibles en vrai. Tous les défis sont possibles. Honnêtement, les gars, là, tout est possible. Là, franchement, tout est possible. À vous de choisir. À vous de choisir. Soit pas de lettre A dans les buteurs. J'ai mis le sondage sur YouTube. Hein. Désolé, frérot, sur TikTok. Mais pas de lettre A dans les buteurs. Ensuite, doublé d'un remplaçant. Ensuite, deux pénaltys dans le match. Ou 5 buts minimum dans le match. Pour l'instant, c'est serré. Jouable, ils vont encore. Ils vont encore te gratter sur. Ah, il y a un monde, Raph. Après, franchement, là, les défis sont tous jouables en vrai. En vrai, toi, t'aurais mis quoi? Enfin, t'aurais mis quoi, hein? Tu vois quoi plus? En vrai, là, c'est, tout est jouable. Voter 5 buts. Ah, bah pour l'instant, c'est ce qui est devant. C'est ce qui est devant pour l'instant. En vrai, ouais, je sais pas. Moi, j'avoue que j'aurais tenté le pas de lettre A dans les buteurs, même si ça paraît chaud en vrai. Avec Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, Gundogan, Cancelo. Ouais, c'est dur quand même, c'est dur. Même pour Las Palmas, Ramirez, Marvin. C'est chaud en vrai. C'est vrai que pas la lettre A, il est chaud quand même, il est chaud. Il est chaud. Mais t'es pas à l'abri d'un but, victoire 1-0 du Barça, tête de Koundé, c'est réglé. T'es pas à l'abri. Ouais, j'ai mis la PS55, pardon les gars. J'ai mis la PS55. Ça veut dire les gars, on attendra que la PS55 sorte les mecs. Je précise quand même, je précise. 3 buts par les moins de 20 ans. Mais ça y est, j'ai enlevé JP, j'ai enlevé. Ça y est, le sondage est là mon biche. 5 buts c'est mieux, moins chaud que la lettre LOL. Ouais, 5 buts c'est bien, mais après les gars, je vous dis la vérité, je pense pas qu'il y aura 5 buts dans le match. Honnêtement. Honnêtement. Moi j'aurais tenté le pas de lettre A dans les buteurs. Honnêtement, c'est ce que j'aurais tenté. C'est ce que moi j'aurais tenté. Parce que je vois pas 5 buts dans ce match. Au match aller, bah attends, on va regarder le match aller. Mais il me semble que Las Palmas, c'est quand même des matchs compliqués, Las Palmas. Hein. Au match aller, il y a eu 2-1 pour le Barça. Avant, il y a eu 1-1. Avant, il y a eu 3-0. Avant, il y a eu 4-1 Barcelone. Avant, il y a eu 5-0. Ouais, quoi que, peut-être. Mais c'est rare, hein. C'est rare, hein. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 matchs, il y a eu 3 matchs qui ont eu plus de 5 buts dans un match. Sur les 11, il y en a 3 qui vous auraient offert une PS5 sur ce même défi. Il y en a 3. Mais après, c'est pas fait pour être simple, mais c'est possible. C'est possible. Et merci le football à l'aveugle, excuse-moi, je l'avais vu mais j'ai raté ton don. Salut, petit don habituel du mois, j'en profite pour te demander si tu comptes passer à la boutique du PSG demain. Et si oui, vers quelle heure? Merci à toi le football à l'aveugle pour le don de 6 euros. Un grand merci à toi mon frérot. Oui, normalement j'y passe. Maintenant c'est toujours le même problème. C'est que l'heure, je peux pas le dire. Je sais pas à quelle heure je vais arriver. Parce qu'avec les bouchons, tout ça, j'en sais rien en général. Donc j'ai envie de dire que j'y serai peut-être vers... je sais pas, franchement je peux pas te dire. En général quand j'arrive... Ethan, la dernière fois que je suis arrivé à quelle heure? J'ai envie de dire si j'y suis vers entre 18h et 19h. Approximativement c'est ça, entre 18 et 19. JP, je sais plus si tu te rappelles à quelle heure je t'ai arrivé toi aussi quand tu m'as vu. 18h15 à peu près. Ouais, donc je suis arrivé à 18h15. Ouais, peut-être. Ouais, entre 18 et 19. Ça peut varier. 18h10, 18h20, 18h30. Ça dépend. Ça dépend. Mais c'est sûr que si j'arrive dans ces heures-là, je passe à la boutique. Parce que Winamax, c'est pas encore ouvert. On va rester devant. Je fais une petite balade avant. Bon, c'est bon, je suis obligé de passer à la boutique. Moi c'était 18h30, ouais, donc j'arrive dans ces environs là, c'est vraiment entre 18 et 19 quoi. C'est vraiment entre 18 et 19. J'y serai peut-être à l'heure, pas de soucis. Pas de soucis, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. T'achètes quoi la boutique à force d'y aller à chaque fois? Eh frérot, tu sais que j'achète tout le temps des trucs frère, c'est impressionnant. Des fois je vais, j'achète les maillots. Des fois je rachète le même maillot mais je le floque autre chose. Des fois j'achète des écharpes, quand je vois des écharpes avec la tête des joueurs. Des fois j'achète un ballon. Je fais un tour, des fois je prends les survêtes, les petits pulls là. Ah non, je vais tout le temps, je vais, je regarde et il y a toujours un truc que j'ai envie de prendre. Donc ouais, mais à chaque fois je fais le tour là-bas, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Tout le temps, tout le temps. T'es pas en... Si, je suis sur TikTok quand même. Goal doublé de Lewando.
Demain, c'est pas le Classico, c'est le Grassito. Non, mais demain, les gars, demain, interdiction de la défaite, par contre. Hein. Demain, faut en parler, mais c'est vraiment interdiction de la défaite, demain. Par contre, les gars, stat, une stat qui est quand même incroyable, ça va être un match entre le Marseille qui est invaincu au Vélodrome et Paris qui est invaincu à l'extérieur, demain. Demain, c'est quand même quelque chose. Après, on voit quand même que Luis Enrique, lui, il en a rien à battre. Il veut mettre Mbappé sur le banc, etc. Parce que bon, il veut faire tourner, ça reste la Ligue 1, mais bon, on verra bien. Tu aimes bien Fabien Ruiz, Kerrer, Wijnaldum, Soler. Toi, tu veux me provoquer, toi, ça je reconnais. Ça je reconnais, toi, tu cherches les problèmes, Asna. Merci beaucoup pour le don de 2€. Et toi, tu cherches les problèmes, vraiment. Mbappé sur le banc demain. Mais franchement, les gars, moi, si Mbappé est sur le banc demain, je comprendrais pas. Après, oui, il y a le match contre Rennes dans 3 jours, tout ça, mais moi, je comprendrais pas qu'il soit sur le banc, honnêtement. Je comprendrais pas qu'il soit sur le banc. Parce qu'il n'y a pas Barcola. Il n'y a pas Barcola. S'il y avait Barcola, à la limite, tu vois. Mais là, ça veut dire quoi? On va arriver avec Kolo Muani, Ramos, Dembélé. Et encore, même si Dembélé joue. Je sais pas, ça me paraît quand même bizarre. Demain, jeudi, Marseille perd pas. Ah, en vrai, on verra bien, on verra bien. C'est vrai que après ça dépendra de la compo, tout ça, ça dépendra de l'envie. Mais de toute façon, les gars, les classicos, moi, de toute façon, je me méfie tout le temps des classicos. Je me méfie tout le temps. C'est pas parce que oui, t'es devant, etc. Les gars, les classicos, ça veut rien dire. Plusieurs fois, on a battu Marseille qui était dans un meilleur moment que nous. On les a battus souvent et souvent en Coupe de France. Donc en vrai, ça veut rien dire. Les classicos, c'est toujours une atmosphère différente et particulière, les gars. C'est différent. Les classicos, tu les joues pas pareil. Tu les joues pas pareil. C'est vraiment différent. C'est ça qui est quand même complexe aussi. Demain, on ne dirait pas non pour voir Kurzawa en pointe. Ouais, bah les Marseillais, ça m'étonne pas de vous. Ça m'étonne pas de vous. Vous êtes prêts à tout. Effectivement, après, je peux vous comprendre. Mais non, ça ira. Moi, j'ai envie de voir Mbappé demain. Après, le problème, c'est que 3 jours après, tu joues Rennes. Donc, je sais pas. Moi, les gars, je pense que le mieux de tout, c'est de mettre Mbappé titulaire. Bon, allez, le coup d'envoi est donné, là. Ouais, après, ouais, il y a Rennes dans 3 jours. Enfin, c'est ça qui est chaud, en fait. On verra bien. Franchement, on verra bien. On verra bien. Bon, en tout cas, le coup d'envoi est donné. C'est parti entre Las Palmas et Barcelone. Le dernier match du Barça, on le rappelle, un dernier match du Barça. Dernier match du Barça avant le match contre le PSG. C'est le dernier du Barça avant le match contre Paris. Ils en ont plus qu'un. Et non, demain, je fais pas City-Arsenal. J'aurais pas pu, quoi qu'il arrive. Il y a le Classico demain. J'aurais pas pu. Mais je vais à Paris. Je suis sur la route de Paris demain. Donc je pourrais pas. Demain, je commente le Classico avec Momoini. N'oubliez pas, les gars, sur Winamax. Allez, touche pour le Barça déjà. Récupéré à droite au milieu de terrain alors qu'on voit Oscar Hernandez. Hein, sur le banc. J'avais oublié que Xavi était suspendu encore. C'est inquiétant. Allez, ça repart pour le Barça. Dans leur moitié de terrain côté gauche. Avec un ballon piqué lointain de la part de Kubarsi pour relancer Firmino Lopez. Ça va aider vite la tête et c'est récupéré par le gardien Vallès qui récupère. Allez, Vallès qui récupère. Vallès qui reprend le temps, se met tout seul au bout d'une minute, les gars, comme d'habitude, pas de panique. Voilà, arrêtez de trembler, vous le savez, les gars, inquiétant. Allez, le jeu repart pour les joueurs de Las Palmas à gauche de leur surface de réparation. La passe pour Cardona, elle est mal donnée, c'est récupéré de nouveau sur le côté droit. La passe entrée de surface, la remise de Levan. Oh, c'est un 1-2 qui est tenté, c'est dommage. Levan aurait dû contrôler et frapper, mais là, la mauvaise passe. Et ça va être enlevé devant Rafinha, récupération de Las Palmas dans leur moitié de terrain. Ça repart devant le rond central et ça peut avancer tranquillement avec ce ballon qui est récupéré par Luadis. Luadis pour écarter à droite au milieu de terrain, récupération de Marvin. La passe en profondeur, ça va être écarté à droite de la surface. Ça va être un peu long, mais c'est récupéré quand même et ça va être centré au deuxième poteau. Mais c'est repris par Koundé qui met le ballon en corner sans prendre de risque. Corner pour Las Palmas. Attention quand même. Le combat de sumo sera à 21h30. T'as pas dit tes prédictions? Si, j'ai dit, je vois quand même le Barça gagner après le score, je sais pas, mais. Je vois un match plutôt fermé, moi, perso. En tout cas, vous avez voté 5 buts minimum dans le match pour le défi PS5, c'est noté. Allez, corner frappé pour Las Palmas. Ça va être dévié, c'est récupéré au 25 mètres, encore plein axe. Allez, il y a une frappe, ça va être dévié encore, c'est récupéré en train de surface. Mais récupéré pour le Barça, mais repris pour Las Palmas. Ça repart à droite de la surface avec Suarez qui reprend. Suarez qui va pouvoir centrer. Ça va être dévié par Kubarsi. Et ça va sortir en touche pour Las Palmas devant la surface barcelonaise. Allez, touche pour Las Palmas. Pour l'instant, Las Palmas, ça part bien. Ça part bien, les gars, pour l'instant. Momo t'a éteint, c'est serré les gars, la vidéo sera après, tranquille. C'était un combat serré. Allez, la touche qui va être jouée. Ils prennent leur temps.
Las Palmas Yacht a laissé jouer et ça repart à droite aux 30 mètres encore avec ce ballon qui va être récupéré par Rodriguez. Ça repart dans le rond central maintenant. Récupération de Marmol. Allez, Marmol qui peut avancer devant le rond central. La passe est belle et le contrôle est un peu moyen, mais il arrive à récupérer la balle. Mounir, il va écarter dans la surface côté droit. Ça va être récupéré par Marvin. Marvin qui arrive à se retourner au poteau de corner. Il est à droite de la surface barcelonaise. Allez, il est bien bloqué par Cancelo. Ça va repartir derrière et c'est récupéré à droite au milieu de terrain. Ça revient sur Rodriguez à droite du rond central qui resserre Suarez. Et Suarez repart à droite du rond central et ça va être récupéré par Coco. Allez, Coco, balle au pied. La passe en retrait de Coco, ça repart avec Vallès, son gardien. La passe de Vallès, ça revient à droite du rond central. Ils vont repartir de leur moitié de terrain côté droit. Pressing de Rafinha, ça revient sur les vannes, tout seul, entrée de surface. Le lob, ça va passer juste au-dessus. L'énorme occasion pour le Barça sur cette récupération de Rafinha. Le très bon pressing. Et le lob de Lewandowski qui est tenté vu que Vallès n'était pas retourné dans ses buts. Ouais, énorme occasion pour le Barça. Énorme occasion pour le Barça, je vous mets les stats tout de suite. Énorme occasion pour le Barça. Énorme occasion. Énorme occasion, allez, le jeu repart maintenant. Le jeu repart pour Las Palmas, mais récupération de Koundé qui resserre Ter Stegen dans ses cages. Et merci beaucoup mon frérot pour le don de 2€ Hugo, merci beaucoup. Imagine si Kylian reste au PSG, ce serait incroyable, j'y crois pas. Allez, ballon récupéré à gauche au milieu de terrain pour les joueurs de Las Palmas. Allez, ça repart à gauche aux 40 mètres, c'est bien donné, c'est récupéré de nouveau par Romeu. La passe de Romeu pour écarter à droite de la à gauche de Paramires, pardon, qui resserre à gauche de la surface. Le centre, il est dévié, mais ça revient en trait de surface. Mais ils oublient le ballon. Récupération 25 mètres encore pour Las Palmas. Mais Sergi Roberto récupère. Ballon dévié, c'est récupéré pour le Barça. Oui, il presse, hein, Las Palmas. Ça repart à gauche au milieu de terrain pour les Barcelonais qui récupèrent encore avec Rafinha. Allez, Rafinha qui peut avancer. Rafinha, la passe latérale à gauche du rond central avec Sergi Roberto. La passe pour écarter latéralement avec Gundogan. Gundogan qui avance. Gundogan toujours, il va écarter à droite du rond central. La bonne récupération de Firmino Lopez, la passe est mal donnée pour Lamine Yamal et c'est récupéré pour les joueurs de Las Palmas. Ça repart devant leur surface de réparation encore, ils arrivent à récupérer le ballon avec Marmol. La passe de Marmol pour Vallès, son gardien. Vallès qui resserre Marmol devant sa surface. Allez, Marmol, il peut avancer entre deux joueurs, il va perdre la balle, c'est récupéré de nouveau par Firmino Lopez. La passe dans la surface pour Lewandowski, la passe latérale, c'est enlevé mais ça revient sur les vannes. À l'ouverture du haut. L'ouverture du score de rien du tout. Hors-jeu signalé. Alors, est-ce qu'il y a vraiment hors-jeu? Est-ce qu'il y a vraiment hors-jeu? Je vous le mets sur Insta, quoi qu'il, mais... ouais, il est bien hors-jeu, les vannes. Ça passe pour Rafinha, a été dévié et ça revient sur lui. Mais il y a bel et bien hors-jeu. But refusé, le Barça avait déjà ouvert le score. Mais c'est hors-jeu. But refusé pour le Barça et ça repart maintenant pour Las Palmas. Et ça va être écarté à droite au milieu de terrain, mais c'est récupéré à gauche du rond central pour le Barça. Ballon piqué pour Rafinha à gauche de la surface. Rafinha qui rentre dans la surface, il va centrer fort. C'est dévié premier poteau par Coco. Et ça va être récupéré pour Las Palmas à droite de leur surface. Rafinha dévie la balle et touche pour Las Palmas devant leur surface de réparation. Ouais, il était bien hors jeu les vannes, hein. Mais encore une fois les gars, le pressing du Barça. Le pressing du Barça fait que... Et je vous ai mis le but sur Insta. Le but refusé du coup. Allez, ça va repartir, la touche qui va être jouée. La touche qui va être jouée tranquillement. Allez, c'est joué cette touche. Et ça repart de leur moitié de terrain côté droit. Le ballon piqué pour écarter à droite du rond central, la petite talonnade. Ça va être dégagé loin devant et ça va être récupéré nouveau à gauche au milieu de terrain avec Ramirez. La passe de Ramirez pour écarter à gauche du rond central. Ça va écarter à gauche aux 40 mètres. Ramirez qui récupère. La passe de Ramirez vers l'avant, c'est bien donné. Ça repart dans la surface côté gauche. Et récupération. Récupération encore pour l'as du Barça. Et faute. Coup franc pour le Barça. Dans leur surface, bien récupéré. Bien récupéré. Il sort à 21h30, les gars, le combat de sumo sur la chaîne de Momo. Pas de panique. Allez, ça repart. Ça repart pour le Barça maintenant. Oh, le hockey, j'en peux plus. Récupération à gauche au milieu de terrain pour le Barça. Et ça peut avancer avec Cancelo. Cancelo qui se fait bien reprendre et il n'y a pas de faute même s'il tombe par terre. Et ça repart pour Las Palmas à droite du rond central. La passe pour Ikarta à droite au milieu de terrain. La bonne récupération encore, ça repart derrière avec ce ballon qui est récupéré par Suarez. Allez, Suarez qui va écarter latéralement. La bonne récupération, ça repart devant leur surface avec Marmol. La passe de Marmol latérale, c'est récupéré par Rodriguez qui resserre Marmol devant sa surface. Allez, Marmol qui peut avancer. Marmol toujours à gauche du rond central. La passe de Marmol, il va écarter avec Ramirez. Le contrôle est raté, c'est récupéré pour le Barça. Mais récupéré par Ramirez qui s'est bien battu, mais faute de Ramirez. Faute coup franc pour Barcelone à droite au milieu de terrain, récupéré par Gundogan. Gundogan, on le voit pas beaucoup là pour l'instant, Gundogan. On le voit pas beaucoup. Hein. Non, c'est pas en live, les gars, le combat, il a déjà eu lieu. C'est en vidéo que ça sort. C'est en vidéo que ça sort.
Allez, le jeu repart. Le ballon qui est récupéré par Ter Stegen. Allez, Ter Stegen qui repart vers l'avant. C'est bien donné. Ça repart latéralement. Et c'est récupéré par Koubarsi. La passe de Koubarsi vers l'avant. Les mal donné. Attention, récupération de Las Palmas. Il y a quoi faire. On va se mettre. La passe dans la surface à Mounir. Le crochet, il est passé. La frappe. Et elle passe à côté. Koubarsi qui s'est totalement fait prendre sur le crochet de Mounir. Mais la frappe de Mounir n'est pas cadrée derrière et ça repart très vite. Pour le Barça à gauche du rond central avec Cancelo qui est servi. Allez Cancelo, il y a l'appel de Rafinha, il va être servi à gauche de la surface. Mais ça va être long et ça a été lu par Coco qui protège sa balle. Et il va réussir à récupérer le 6 mètres. 6 mètres pour Las Palmas. Franchement, il joue bien Las Palmas. Il joue bien. Je vous ai dit les gars. Je vous ai dit. Hein. Je vous ai dit, Las Palmas, c'est une équipe qui est dure hein, cette saison. C'est une équipe qui est dure cette saison. Même si ils perdent beaucoup. Bon après je dis ça, ils ont pris 5-0 contre l'Atletico. En vrai je dis ça, mais ils restent sur 1, 2, 3, 4, 5, 5 matchs sans victoire, 3 défaites, 2 nuls. Mais contre les gros, ils s'en sortent hein. Bon, ils ont pris 5-0 contre l'Atletico, mais ils perdent que 2-1 contre le Real, tout ça. Je sais pas, contre les gros, Las Palmas, moi je les trouve. Je trouve qu'ils gênent quand même. Je trouve qu'ils arrivent à gêner, hein. Vraiment. C'est une dinguerie. Ah ouais les gars, oubliez pas les likes, hein, je compte sur vous les mecs. Hein. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, je compte sur vous la famille. Allez, le jeu repart pour Las Palmas, à gauche du rond central. Allez, c'est bien fait, ça va repartir de nouveau. À gauche au milieu de terrain, il s'est récupéré latéralement avec Cardona. Allez, Cardona, perte de balle, récupération du Barça avec Lamine Yamal qui recèle Roberto. La passe de... Oh, c'est dévié par Levan. C'est dévié par Levan, ce ballon de Roberto pour relancer Lamine Yamal. C'est dévié par Levan, c'est dommage parce que Lamine partait bien et c'est récupéré pour Las Palmas devant leur surface. Bonne récupération. Non, normal, Trioxy, tiens, charbonne, mon frère. Je te souhaite de les avoir, tes examens. Charbonne, c'est normal, frérot. C'est normal. Allez, ça repart. Cardona, balle au pied qui repart derrière. C'est récupéré par Marmol. La passe de Marmol pour repartir avec Vallès. Allez, Vallès, balle au pied. Les gars, on peut souhaiter des encouragements à Trioxy qui est en train de charbonner ses examens. Force à tous ceux qui vont passer des examens, les gars, et qui sont en mode révision. Hein. Force à vous, les mecs. Force à vous, c'est très important, les gars. Lâchez pas, vraiment. Ne lâchez surtout pas. Hein. C'est très, très important. Vraiment, je vous le dis. Hein. Je me suis stoppé moi et que je suis parti lever des palettes à 4h du matin. J'ai vite regretté d'avoir arrêté au final. De ne pas avoir poursuivi et j'ai jamais voulu reprendre. Allez, le jeu repart. Le dégagement de Ter Stegen, ça repart avec Koundé à droite de sa surface. Allez, Koundé balle au pied. La passe de Koundé pour écarter latéralement avec Gundogan. La passe de Gundogan pour Koubarsi. Ça repart vers l'avant, c'est récupéré pour Las Palmas. Et ça va être trop long cette passe et ça va sortir en 6 mètres pour le Barça. 6 mètres barcelonais, montre le classement, tiens. Pour l'instant, le Barça, avec un match d'avance, est à 7 points du Real. Ce qui fait que si le Real gagne demain, ça fait 10 points d'écart. Et 10 points d'écart à 8 journées de la fin, ça sent la merde un peu. Allez, le jeu repart pour Barcelone. Et ça va être récupéré à gauche du rond central. La bonne récupération de Rafinha. La passe de Rafinha, elle va être déviée. Rafinha récupère, il repart derrière avec Gundogan. Allez, Gundogan qui récupère tranquillement. Gundogan, j'ai l'impression que là, il veut pas forcer son talent. Là. J'ai l'impression vraiment qu'il veut pas forcer son talent. J'ai l'impression de voir un joueur tellement simple. Bon, il joue correct, hein, mais il joue tellement simple. Hein. Il veut pas forcer, j'ai l'impression. Allez, ballon piqué pour Ekerta à droite au milieu de terrain. L'ouverture est belle pour Lamine Yamal, mais c'est dévié par Cardona de la tête. Et ça repart derrière avec Vallès. Allez, Vallès qui récupère dans sa surface de réparation. Allez, Vallès, balle au pied. Il garde bien la balle, la passe latérale de Vallès. Ça va être récupéré de nouveau dans leur surface de réparation. Vallès encore qui va se dégager loin devant au milieu de terrain côté droit. Ça va être dévié de la tête. C'est dévié encore et c'est récupéré par Levan au 25 mètres. La passe de Levan dans la surface, elle est mal donnée. Elle est mal donnée. Levan manque de justesse là. Il manque de justesse parce qu'il y a vraiment des coups à faire, mais Levan remet très mal. Et merci Salir pour le don de 10 euros. Merci. Salut le boss des commentateurs, le meilleur. Tu nous as manqué pour les matchs des championnats. Merci à toi, Salir. La trêve était dégueulasse en vrai. À mettre tous les matchs en même temps en plus. Content de retrouver les clubs, la LDC, tout ça, ça va être chaud. Ça va être chaud. Effrayant, Carole, vraiment, là, c'était chaud. Allez, le jeu repart. Et c'est Ter Stegen qui a la balle devant sa surface. Ballon piqué Ter Stegen pour Ekerta à droite au milieu de terrain vers Rafinha, mais c'est trop long et ça sort en touche pour Las Palmas. Touche à droite au milieu de terrain pour Las Palmas. Je rappelle que Xavi n'est pas là, Xavi est suspendu. Xavi n'est pas sur le terrain. Enfin, sur le terrain, sur le banc, t'as compris. Reims toujours 0-0. Allez, la touche qui va être jouée. Ça prend le temps, ils prennent le temps tranquillement. Les Las Palmasiotes, ils prennent leur temps. Allez, c'est joué cette touche. Ça repart à droite au milieu de terrain. Ça repart derrière, ça va être dévié. Ça ressort en touche. Nouvelle touche à droite au milieu de terrain. Nouvelle touche pour Las Palmas. Allez, ça va être joué tranquillement. Ça va être joué tranquillement cette touche. Ils prennent leur temps. Ils prennent vraiment leur temps. Il y a un joueur qui disparaît dans la pancarte, inquiétant.
un joueur, un ramasseur de balles. Pourquoi il fait des effets de disparition? Allez, le dégagement joué. Ça va être dévié de la tête pour le Barça. C'est repris par Rafinha. Ça revient à gauche du rond central avec Levan. Levan qui va perdre son duel, mais il y a faute. Coup franc pour Lewandowski pour le Barça. Du coup, à gauche du rond central récupéré par Lewandowski. Ils sont pas d'accord, les joueurs de Las Palmas. Ils avaient fait une bonne récupération. Ils auraient pu ramener du danger. Alors, est-ce qu'il y a vraiment faute? Ouais, quand même. Ouais. Effectivement. Effectivement. On va vous écraser demain au Vélodrome. On en reparle demain, du coup, le Marseillais. On en reparle demain. Salut Nice, ça va? Ça fait plaisir de revenir sur ton live. Comment il va, Lolo Fut? Ça va ou quoi, ma canaille? Merci beaucoup, frérot, pour le reset, bel message. Comment il va, mon bon vieux Lolo Fut? Allez, le jeu repart. Le ballon récupéré par Koubarsi. 24 mois. Quel roi. Quel roi. La Coupe du Monde, là, à côté du pseudo, carrément. C'est beau. Allez, à touche pour le Barça devant leur surface côté gauche qui va être joué. C'est joué, ça repart avec Rafinha. La passe de Rafinha en retrait, c'est récupéré par Cancelo. Ballon piqué pour changer d'aile. Ça revient devant sa surface côté droit avec Koundé. La passe de Koundé vers l'avant pour retrouver Firmino Lopez. Allez, Firmino à droite au milieu de terrain qui peut accélérer. La passe de Firmino pour Lamine Yamal. Le petit pont de Lamine, il prend une balayette derrière et il y a faute. Le coup franc pour le Barça à droite au milieu de terrain et premier carton. Le premier carton jaune qui est donné à Cardona. Le premier jaune de ce match. Lamine Yamal qui lui a mis un bon petit pont là. Ah non, c'est pas un petit pont. C'est un petit ballon piqué pour le mettre juste au-dessus de ses jambes et accélérer. L'illusion d'optique faisait qu'on pensait que c'était petit pont, mais non. Il met juste un petit ballon piqué pour passer au-dessus de lui, au-dessus de ses jambes. Et derrière, il se fait accrocher. Allez, coup franc joué pour le Barça, ça repart derrière. Et c'est récupéré à gauche du rond central et ça va revenir avec le gardien. Récupération de Ter Stegen. La passe de Ter Stegen pour écarter de nouveau avec Koubarsi devant sa surface. La passe de Koubarsi vers l'avant. Lewandowski récupère dans le rond central, il va perdre la balle. Et là, il n'y a pas de faute. Récupération pour Las Palmas. Ça repart dans le rond central et ils vont repartir avec Valéas, leur gardien. Allez, Valéas devant sa surface. Totalement arrêté. Et il garde bien la balle. Tranquillement, Valéas. Devant sa surface, ballon piqué de Valéas pour écarter à gauche aux 30 mètres. Et l'ouverture est belle et Ramirez récupère. Il est tout seul, entrée de surface. Ramirez, la frappe, elle est déviée. Et c'est capté derrière par Ter Stegen. Wow. Et y a, la drapeau se lève finalement. Le drapeau se lève finalement, je sais pas pourquoi il a pas plus avancé. Est-ce qu'il y avait hors-jeu? Ouais, il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu, effectivement, il s'était retrouvé tellement seul sur un dégagement du gardien en plus. Allez, le jeu repart pour le Barça. Lamine Yamal va perdre la balle et ça repart pour Las Palmas. La passe pour Cardona, il contrôle mal, c'est récupéré par Koundé. La passe de Koundé qui repart avec Ter Stegen, son gardien. Allez, Ter Stegen dans sa surface. La passe de Ter Stegen pour Ikerta à gauche de sa surface, c'est bien récupéré. De nouveau par Inigo Martinez. La passe d'Inigo pour Cancelo. Cancelo même endroit, ballon piqué pour repartir avec Koubarsi dans sa surface de réparation. Koubarsi qui peut avancer. Allez, Koubarsi balle au pied. Koubarsi le ballon piqué maintenant pour écarter à gauche ou 30 mètres. L'ouverture est sublime. Et c'est récupéré par Lewandowski. Super contrôle à gauche de la surface. Il rentre dans la surface côté gauche. Levan, il va frapper. Et c'est boxé. C'est boxé, mais c'est récupéré par Cancelo. Il va centrer, c'est dévié. Corner. Oh, quelle occasion. Quelle occasion. Et encore quelle ouverture de Koubarsi. Quel contrôle de Levan. Belle frappe de Levan, premier poteau. L'ouverture est incroyable. Mais Levan est tellement seul. Levan est tellement seul, c'est effrayant par contre. C'est effrayant. J'ai dit 4-0 Paris de Marie Perf. Merci beaucoup pour le nombre de 0. Merci beaucoup. Allez, le corner va être frappé. Le corner va être frappé tranquillement. Ouais, 20h45 demain, PSG. Ouais. Allez, le corner qui va être frappé. Allez, c'est frappé, point de pénalty. La tête. Et elle va passer à côté. Elle va passer à côté. C'est à côté, ça sort en 6 mètres. 6 mètres pour Las Palmas, pas de danger. Pas de danger. Va pleurer, Nasri, ça va être l'heure de chialer pour toi. Ça va être l'heure de chialer. Ça va être l'heure de chialer. Il a mis quoi? Il a mis quoi, Steven? Je sais pas ce qu'il a mis. Allez, le jeu repart, Valéas va pouvoir se dégager. Dégagement de Valéas. Ça revient à gauche au milieu de terrain, mais ça va sortir. Personne ne peut récupérer. Touche pour le Barça. À droite au milieu de terrain. Allez, touche jouée par Koundé. Allez, Jules Koundé, ça va repartir à droite du rond central avec Koubarsi. La passe de Koubarsi pour écarter de nouveau. Avec la bonne récupération de la part de Sergi Roberto. Roberto pour écarter à gauche du rond central. Ça va repartir avec Rafinha qui repart avec Sergi Roberto. À gauche du rond central pour repartir avec Gundogan. Allez, Gundogan balle au pied. Il arrive à se retourner. Gundogan, ça repart derrière de nouveau. C'est récupéré par Koubarsi. La passe de Koubarsi pour Koundé. Koundé pour écarter à droite au milieu de terrain. Le contrôle est raté. Et touche maintenant. La touche pour Las Palmas à gauche au milieu de terrain. Allez, touche pour Las Palmas. Le combat sort dans 10 minutes sur la chaîne de Momo, les gars.
Allez, tous jouer. Allez, c'est récupéré pour les Barcelonais. La récupération à droite du rond central. Récupération pour Las Palmas devant le rond central. Ils vont écarter à droite au milieu de terrain. C'est bien fait avec Marvin qui reprend. Marvin qui temporise totalement. La passe retrait de Marvin. C'est récupéré à droite du rond central. Allez, bonne récupération. Tranquille, ça repart avec Coco. Allez, Coco balle au pied. La passe de Coco dans le rond central. Ça va repartir de nouveau avec Marmol. Allez, Marmol qui peut avancer. Marmol qui passe le milieu de terrain avec le ballon dans les pieds. La passe de Marmol vers l'avant. Ça passe entre deux joueurs barcelonais. Et c'est récupéré par Cardona à gauche de la surface. Allez, Cardona, il est bloqué par Koundé. Mais il garde la balle, il va réussir à centrer Cardona, deuxième poteau. C'est dévié de la tête et ça va être récupéré par Koundé à droite de sa surface. La tête de Koundé, ça sort, touche pour Las Palmas devant la surface barcelonaise côté gauche. Merci Reapers mon frère, merci pour le don, merci pour le message, t'es un roi Reapers, merci Macané. Merci Goth. Allez, tous jouer. Ça repart à gauche de la surface encore une fois. Le crochet, il est passé sur le côté gauche de Loadis. Il va s'entraîner, mais c'est repris par Koubarsi, premier poteau. Koubarsi qui resserre Koundé à droite de sa surface. Allez, Koundé la passe vers l'avant pour Gundogan. Ça repart derrière encore une fois. La passe pour retrouver Sergi Roberto encore. Allez, les gars, honnêtement, vous signez pourquoi? Victoire du Barça, mais blessure d'un joueur? Ou bien défaite du Barça, mais aucune blessure? Tout le monde est là pour le PSG. Allez, le jeu repart là pour le Barça. Super une de qui est fait avec les vannes. Mais bon retour défensif. Ça revient sur Rafinha. La frappe. L'ouverture du score. La voilà pour le FC Barcelone. La très belle passe. Le très beau 1-2 entre Firmin Lopez et Robert Lewandowski. Le ballon est dévié. Ça revient sur Rafinha qui a plus qu'à pousser la balle. Et ça fait 1-0 grâce à Rafinha. Attends, il y a hors-jeu encore? Il y a hors-jeu encore? Attends, on va voir. Non, c'est pas possible là. Attends, Levan laisse passer. Il n'y a pas hors-jeu, frère. Levan laisse passer pour Firmin. Firmin resserre Levan. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a rien du tout, frère. Ça va être validé. Ça va être validé. Il n'y a absolument que dalle. Il n'y a absolument que dalle, les gars. Il n'y a absolument que dalle. Je sais pas ce que l'arbitre attend, mais il n'y a rien là, les mecs. Hein. Y'a rien du tout. Hein. Y'a rien du tout, les gars. Attends, ça parle de peut-être que c'est Rafinha qui... C'est Rafinha qui influence l'action à partir. Je sais pas. Hein ? Le but est refusé, les gars. Attends, quoi ? Le but est refusé, les gars. Attends, non, pas encore. Non, pas encore, il attend encore. Il attend encore. Là, c'est bizarre, les gars. En gros, ce qui se dit, c'est que comme Rafinha, au départ, lui, il est hors-jeu, ils disent qu'il fait action de jeu. Mais les gars, elle est dans ma story Instagram. Je vois pas en quoi il fait action de jeu, là. Là, pour moi, c'est n'importe quoi. Il touche pas la balle, au départ. Il touche pas la balle. Et c'est hors-jeu, les gars. But refusé. But refusé. Non, là, c'est pas action de jeu. Action de jeu de quoi? Il fait action de jeu de quoi, là, Rafinha? Ah non, je suis pas d'accord. Non, franchement, je suis pas d'accord. Alors là. Moi, personnellement, les gars, je suis pas d'accord, but refusé. Alors là, je vous le dis, les gars, les commentateurs, ils disent qu'ils sont d'accord. Moi, les gars, je le suis pas. Honnêtement, je le suis pas. Position de hors-jeu, but refusé. Honnêtement, je comprends pas. Parce qu'en gros, les gars, ceux qui ont pas Insta, je l'ai mis sur Insta, ceux qui veulent aller voir. Hein. Les gars, en gros, je vous explique pour ceux qui ont pas les images. Attendez, parce que là, ça repart quand même pour la mini-mal. Dans l'axe au 25 mètres, il perd la balle. En gros, il y a une passe pour Levan. Levan laisse passer la balle pour Firmin. Firmin récupère et Firmin remet en une touche à Levan. Sur cette remise de Firmin, Levan n'est pas hors jeu et c'est lui qui prend la balle. Et il y a Rafinha qui est totalement hors jeu, mais très loin. Hors jeu de très loin. Donc Levan récupère. Les gars, action de jeu de quoi là? Levan récupère, Rafinha n'a rien à voir dans l'action. Non, là, je comprends pas. Ah, quoi? Ah, je crois que j'ai compris. C'est le fait qu'il soit hors-jeu à ce point-là qui lui permet, au final, d'être bien placé pour reprendre la balle. C'est peut-être ça qui est signalé. Je crois que c'est ça qui signale. Comme il était hors-jeu de très loin, il fait action de jeu parce que c'est lui qui termine. Et que s'il n'était pas hors-jeu au départ, il aurait pas... C'est peut-être ça. Je crois que c'est ça, mais la règle là, ça a déjà été fait ça.
Non, ça, c'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Levan ne la touche pas. Ah, si Levan ne la touche pas, c'est autre chose. Ah, si Levan ne la touche pas, alors là, ouais, ok, d'accord. Si Levan ne la retouche pas, d'accord. Si c'est ça, ok, d'accord. Mais je crois pas que c'est ça qui a été dit. Il me semble pas que c'est ça qui a été dit. Ok, mais si c'est, c'est parce que Levan ne touche pas la balle, je comprends mieux. Ok, ok, d'accord. Ok, si c'est ça, ok, je comprends mieux du coup. C'est bon. C'est bon, d'accord, ok. S'il la touche un peu, bah honnêtement, là, je sais pas. De toute façon, je vous ai mis le truc sur Insta. Je vous ai mis le truc sur Insta. Mais la situation est quand même très bizarre. Hein. La situation est quand même très bizarre. La situation est vraiment chelou. Allez, en tout cas, ça va être une touche pour Las Palmas maintenant. La touche qui va être jouée. Le classico sort dans 6 minutes sur la chaîne de Momo. Allez, touche jouée. C'est récupéré de nouveau à gauche de la surface. Et c'est récupéré pour le Barça à droite de leur surface. Allez, récupération. Ça va prendre une balayette. Grosse balayette sur Inigo. Et il y a faute, coup franc pour le Barça à droite de leur surface de réparation. Allez, coup franc barcelonais. Le coup franc barcelonais qui va pouvoir avoir lieu tranquillement. Allez, ça va prendre le temps. Ça va prendre le temps en détente. Je viens de m'abonner à ton Insta, t'es un crack ma biche. Mais de toute façon, j'ai mis les deux actions hors-jeu sur Instagram. Il y en a deux buts refusés pour hors-jeu pour le Barça. Allez, le dégagement joué pour le Barça, c'est récupéré par Las Palmas devant le rond central. Le crochet, ça repart à gauche du rond central avec Cardona. La passe de Cardona latérale, c'est bien récupéré, mais c'est repris pour le Barça avec Roberto. Ballon piqué pour Rafinha. Et là, il n'y a pas de hors-jeu. Le gardien sort. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il déchire Rafinha. Il vient de déchirer Rafinha et carton rouge. Le carton rouge pour Valès. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ce match? Il vient de déchirer Rafinha. Il a fait un tacle de traqué en dehors de ça. Mais pourquoi il sort comme ça? Mais pourquoi il sort comme ça? Il a pété un plomb, Valès, ou quoi? Carton rouge. Carton rouge pour Valès, le gardien de Las Palmas. Alors, faudra voir le ralenti. Rafinha reste à terre, mais je crois pas qu'il soit blessé. Je crois pas qu'il soit blessé. Je crois pas. C'est quoi cette dinguerie encore? C'est une très belle récupération de Gundogan. Roberto reprend, il met un ballon piqué directement pour Rafinha. Je vous le mets sur Insta aussi. Ah ouais, non, il l'a déchiré, il touche pas du tout la balle. Il a déchiré Rafinha. Il a déchiré Rafinha là. Il l'a éteint. C'est quoi ce tacle de malade mental, frère? C'est quoi ce tacle de malade mental? Il l'a déchiré, frérot. Il l'a littéralement déchiré. Oh là là, ouais, rouge totalement mérité. Rouge totalement mérité. Je pense pas que Rafinha est blessé là-dessus, je pense pas. Parce qu'il lui prend pas une... Il lui prend tout le corps. C'est vraiment un tacle pas maîtrisé du tout où tu mets une grosse balayette. Mais il n'y a pas de blessure là-dessus, les gars. C'est pas il met une semelle, un truc. Ça va, les gars. Rafinha l'a bien esquive. Mais là, c'est rouge. Ouais, c'est rouge tous les jours. C'est rouge tous les jours. Il vient de l'éteindre. Il vient de l'éteindre. Oh, c'est impressionnant. C'est impressionnant ce qui vient de se passer. On verra la VAR, mais pour moi, il n'y a aucun monde. Il n'y a aucun monde où il reste sur le terrain. Il n'y a aucun monde. Il n'y a aucun monde. Ça va être carton rouge pour Valès, le gardien. Il n'y a aucun monde où il reste sur le terrain. Aucun. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et qui va sortir? Qui va remplacer du coup? Et bah derrière, ça va être la bonne question. Ça va être la bonne question de qui va céder sa place. Mais du coup, va falloir changer de gardien. Las Palmas va terminer à 10. Il a pété un plomb. Je vous ai mis l'action sur Insta encore une fois. Hein. Mais il a pété un plomb, vraiment. L'arbitre attend quand même dans l'oreillette qu'on lui dise quelque chose. Il attend même si Valès, lui, va en dehors du terrain. Ça y est, il sort, il retourne dans les vestiaires. Il retourne dans les vestiaires, Valès. Ça y est. Ça y est, mais c'est rouge totalement mérité. Hein. S'il prend pas rouge sur ça, non, mais il y a rouge. Il hein. Y a rouge tous les jours. Il y a rouge matin, midi, soir. Là, là c'est inévitable. C'est inévitable. Le rouge est totalement mérité. Il l'a retourné, le pauvre. Ah ouais, il l'a éteint. Il l'a éteint. Il l'a éteint, vraiment. Il y avait faute auparavant sur un joueur de Las Palmas. Non, 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 non. Aucune faute. Gundogan récupère la balle tranquille. Il n'y a absolument aucune faute. Aucune faute. Non, non, là, objectivement, il n'y a que dalle, frérot. Enfin, il n'y a pas de faute du Barça. Mais il y a bien carton rouge pour le gardien de Las Palmas. Ça, par contre, celui qui dit, de toute façon, celui qui dit qu'il n'y a pas carton rouge, là, c'est quelqu'un de pas honnête, franchement. Il y a rouge matin, midi, soir. Tacle pas mérité. Comment ça, tacle pas mérité? Y a... Ouais, personne peut contester qu'il y a rouge là. Voilà, il n'y a rien. Mais tu relèves en plus, oui, tu sais. Ah, t'abuses toi carrément. Je jure carrément, c'est quand même très grave. C'est quand même très grave. On arrive à jurer carrément. Non, il l'a déchiré.
Il touche pas la balle, il soulève Rafinha. Mais il y a rouge tous les jours. Il touche pas la balle, il soulève Rafinha. Il lui prend les deux jambes. Rouge direct, rouge direct. S'il y avait un carton plus haut que le rouge, c'est même le plus haut que le rouge que tu mets là. Ah non, là c'est ciao, c'est ciao. Ah là, c'est ciao. C'est vraiment ciao. Déclaration de Thomas Tuchel, bravo à Leverkusen pour le titre, c'est fini pour nous. Après, il a raison. 13 points de retard. Et c'est Mounir El Haddadi qui sort, c'est lui qui paye les frais. Ah, c'est dur. C'est Mounir El Haddadi qui en paye les frais, les gars. Sortie de Mounir El Haddadi. C'est lui qui va céder sa place. C'est lui qui va céder sa place pour l'entrée d'Aaron, le gardien. C'est tellement dur. C'est dur pour eux. Hein. C'est dur pour eux. Ça va... Enfin, c'est dur pour eux. C'est mérité, mais c'est dur pour eux, quoi. Jouer à 10 maintenant contre le Barça, force à vous, les gars. Force à vous, vraiment. Et du coup, carton rouge. Le carton rouge qui est donné pour Las Palmas. Et le car, ouais, ça, c'est inévitable. Et donc, c'est un rouge à la 26e. 26e. Rouge pour Valès. Allez, du coup, coup franc joué pour le Barça, mais ça va être dévié, ça va sortir en corner. Allez, corner. Corner pour Barcelone. Corner pour Barcelone maintenant. Ce coup franc a été dévié. Las Palmas va jouer à 10. Las Palmas va terminer à 10. Las Palmas va terminer à 10. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Las Palmas va terminer à 10 maintenant. Allez, les gars, dites-moi dès que la vidéo de Momo sort. Hein, je crois qu'il est pas encore sorti. Il est 21h30, mais il a pas encore mis. Allez, corner joué à 2. Allez, ça repart avec ce ballon qui est rendu à Gundogan légèrement à gauche. 25 mètres, ballon piqué dans la surface pour Rafinha. La remise, c'est dévié, ça traîne. Et c'est dégagé comme il peut pour Las Palmas. Gundogan dans ce moment-là, c'est très fort et il y a hors-jeu. Position de hors-jeu. Gundogan dans ces moments-là, c'est impressionnant. Les petits ballons piqués qu'il met dans le dos de la défense. Ah, les petits ballons piqués qu'il met là, c'est impressionnant. Impressionnant. Allez, le jeu va repartir. Le dégagement va être joué du coup pour Las Palmas. Toujours 0-0 hein, du coup. Toujours 0-0. C'est quand le combat de sumo. Bah là il a dit qu'il sortait à 21h30. Donc normalement ça y est. Normalement ça arrive. Allez, le dégagement est joué. Le dégagement est joué. C'est rendu à Ter Stegen qui récupère. Allez, Ter Stegen balle au pied. La passe de Ter Stegen latérale. Ça va être récupéré de nouveau à droite du rond central. La passe pour écarter de nouveau à gauche au milieu de terrain. C'est bien donné. C'est récupéré par Inigo Martinez. La passe d'Inigo Martinez. C'est récupéré à gauche du rond central. Et ça va revenir de nouveau avec ce ballon pour Sergi Roberto. La passe de Roberto pour Kubarsi. Allez, Kubarsi à droite du rond central. Ça va être écarté à gauche du rond central maintenant. La passe pour écarté à gauche aux 30 mètres. Allez, c'est bien donné. Ça repart devant le rond central et c'est récupéré. Encore une fois avec la bonne prise de balle de Sergi Roberto. La passe de Roberto pour écarté à droite du rond central. Ça revient sur Koundé. À droite au milieu de terrain. Allez, Koundé, ça va repartir derrière encore une fois. Il garde bien la balle. Ça va revenir à gauche du rond central. C'est bien fait, c'est bien donné. Ça revient à gauche du rond central de nouveau. Avec Inigo Martinez. La passe d'Inigo Martinez, ça va être donné. Ça repart encore une fois avec cette prise de balle de la part de Cancelo. Allez, la défense de Las Palmas, ils sont tous derrière. Ils sont tous derrière là. Allez, ça repart latéralement. Le ballon qui revient à gauche du rond central. C'est bien donné, ça va repartir de nouveau avec ce ballon qui est rendu tranquillement avec Gundogan. Allez, Gundogan à gauche du rond central. La passe latérale de Gundogan. Ça va revenir à gauche aux 40 mètres. Ça repart à gauche aux 30 mètres. Et ça revient au milieu de terrain sur le côté gauche. La passe pour revenir dans le rond central. C'est bien récupéré encore par Kubarsi. La passe de Kubarsi pour écarter latéralement avec Koundé qui récupère. Allez, Koundé encore. La passe de Koundé dans la surface. Elle va être très longue et c'est récupéré sans aucun problème par Aaron. Le combat. Les gars, c'est pas moi qui sors la vidéo, les mecs. Il a dit 21h30. C'est pas moi qui la sors. C'est pas moi, les gars. C'est pas moi. Et ça arrive. C'est pas moi, là, les gars. Je peux rien faire. Je suis comme vous, là. Je l'attends. Je suis comme vous, là. J'attends, les gars. J'attends. Allez, le dégagement qui va être joué. Le dégagement qui va être joué. Allez, c'est joué loin devant. Allez, ça va être dévié de la tête. C'est récupéré de nouveau pour les joueurs de Las Palmas. La bonne récupération, ça revient à gauche du rond central avec Inigo Martinez. Le ballon piqué d'Inigo Martinez pour repartir avec Koundé à droite au milieu de terrain. Allez, Koundé. Allez, ça peut avancer Koundé. Le ballon piqué de Koundé pour écarter à droite de la surface avec Lamine Yamal qui va récupérer. Il se fait bousculer par Cardona. Pas de faute. Oh, il avait déjà un jaune en plus. Hein. Il avait déjà un jaune. Ça aurait pu être chaud là. Allez, ça va être dégagé loin devant. La bonne récupération encore pour le Barça à droite au milieu de terrain. Ils arrivent à conserver la balle et la touche qui va être jouée de nouveau. Nouvelle touche.
Allez, nouvelle touche jouée. Ça repart dans le rond central. Allez, c'est bien donné. Ça va être récupéré encore une fois à gauche du rond central maintenant. La bonne récupération de nouveau. Allez, ça repart à gauche du rond central. Ça va repartir encore avec Inigo Martinez qui récupère. Inigo Martinez qui peut avancer. Allez, Inigo toujours devant le rond central. Ballon piqué de la part d'Inigo pour écarter à droite aux 30 mètres. Ça va être dévié de la tête. Et c'est récupéré de nouveau par Koundé. Allez, Koundé pour Lamine. Le crochet de Lamine. Allez, ça va être récupéré de nouveau à droite du rond central. Ça repart avec ce ballon qui est récupéré par Gundogan. Allez, Gundogan pour Lamine Yamal. Lamine Yamal pour écarter à droite du rond central avec Koubarsi. La passe de Koubarsi pour écarter à gauche du rond central. Allez, c'est bien donné. Ça va repartir de nouveau avec ce ballon qui est repris par Sergi Roberto. La passe de Roberto, ça va être dévié. C'est récupéré de nouveau pour les joueurs de Las Palmas. Ballon piqué pour écarter à droite du rond central. C'est récupéré par Koubarsi, mais il commet la faute. Coup franc pour Las Palmas. Coup franc pour Las Palmas. Allez, le coup franc qui va être joué. Encore une fois, ils vont pouvoir repartir de l'avant. Les gars, il l'a toujours pas sorti là. Les gars, je peux rien faire là. Je peux rien faire, c'est lui qui est en retard. La vidéo est sortie. Ah, elle est sortie, ça y est. Ah ouais, elle est sortie. Les gars, lisez pas mon commentaire parce qu'il y aura du spoil, je vous le dis. Voilà, j'ai mis. J'ai mis. Allez, vous pouvez aller regarder les gars, elle est sortie, ça y est. Allez, ça repart, le ballon qui est récupéré par Koundé, entrée de surface. Allez, Koundé, balle au pied. La passe de Koundé pour Lamine Yamal. Lamine Yamal, la poussée de balle à droite. Le crochet de Lamine Yamal dans la surface. Il arrive à conserver la balle, le deuxième crochet, ça va être dévié. C'est récupéré pour Las Palmas. Allez, bonne récupération pour eux à gauche de leur surface. Allez, ça va repartir, le dégagement loin devant. C'est récupéré par Koundé à droite au milieu de terrain. Allez, Koundé, ça repart dans le rond central. C'est récupéré par Inigo Martinez. Allez, Inigo qui peut avancer la passe d'Inigo pour repartir devant le rond central. Allez, c'est récupéré à droite au milieu de terrain avec la bonne récupération de Koundé. Allez, Koundé, ça repart avec Lamine Yamal. Lamine Yamal pour Koundé. Ça resserre Rafinha. La passe de Rafinha pour écarter devant le rond central. C'est récupéré par Roberto. La passe de Roberto pour écarter à gauche de la surface. C'est bien donné. Ça va être centré. La tête. Ah, la barre. La barre de Lewandowski. Énorme occasion et Lewandowski frappe la barre. Il était tout seul. Oh là 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 là. L'énorme occasion. L'énorme occasion. Allez, ça repart pour le Barça encore à droite de la surface avec Lamine Yamal. Lamine Yamal qui va pouvoir centrer au point de pénalty. Ça va être dévié de la tête mais ça revient sur Lewandowski. La volée, elle s'envole totalement. Elle s'envole totalement. Elle s'envole totalement. Allez, ça va pouvoir se dégager. Ça va pouvoir se dégager. 6 mètres pour Las Palmas. Le 6 mètres pour Las Palmas à suivre. On va voir ce que ça va donner. Mais là, pour l'instant, le Barça pousse. Le Barça pousse bien. Le Barça pousse bien. Allez. Ça va pouvoir repartir. Ça va se dégager. Ils prennent leur temps, Las Palmas, les gars. Attention, même à 10. Hein. Même à 10. Hein. Même à 10. Allez, le dégagement joué. Long dégagement loin devant. Allez, c'est récupéré à droite, à gauche du rond central. La bonne récupération encore avec Rafinha qui reprend. La passe de Rafinha, ça repart à gauche du rond central avec Firmin Lopez. La passe de Firmin pour retrouver Rafinha qui récupère. Allez, Rafinha totalement arrêté face à deux joueurs. La passe en retrait de Rafinha, c'est bien donné. Ça va être récupéré de nouveau à droite du rond central. Bonne récupération encore avec Koubarsi. La passe de Koubarsi pour Koundé. Allez, Koundé qui avance. La passe de Koundé pour Lamine Yamal. Lamine Yamal pour repartir avec Koundé. Koundé pour écarter à droite du rond central maintenant avec Koubarsi encore. Allez, Koubarsi, la passe latérale de Koubarsi, ça va être récupéré de nouveau à gauche du rond central. Ça va être écarté à gauche aux 30 mètres maintenant. Bonne récupération pour Cancelo à gauche de la surface. La passe entrée de surface, elle va être mal donnée. Et c'est récupéré par les joueurs de Las Palmas. Allez, ça peut avancer, le ballon qui va être dévié. Et ça va ressortir en touche pour le Barça. Touche pour le Barça. Eni a triché, Yanis a gagné. Allez, touche jouée. Allez, ça repart à gauche du rond central. La bonne récupération pour Las Palmas. Tranquille les gars, regardez la vidéo. Après, je vous dirai, on met quoi en commentaire sur la vidéo, tranquille. Allez. Allez, ça repart. De toute façon, les mecs, non, mais vas-y, parce qu'après, sinon ça... Bah, les... Attends, on en parle à la mi-temps, tranquille. Allez, ballon piqué pour lancer de nouveau Lewandowski en profondeur. Lewandowski, le ballon va être dévié, récupération de Las Palmas. Aaron récupère dans les gants. Aaron récupère dans les gants, tranquillement, sans aucun problème. Tu nous as manqué, frère. Vous aussi, la vérité. Et pas live pendant longtemps, ça fait bizarre. Franchement, ça fait bizarre. Allez, le jeu repart, le dégagement est joué et c'est récupéré de nouveau pour les joueurs de Las Palmas devant leur surface. Allez, c'est bien fait entre deux joueurs, le crochet, le ballon va être dévié, Lamine récupère et va y avoir une faute. Et il y a faute et il y a donc coup franc, le coup franc signalé. Encore une fois et donc coup franc pour Las Palmas, ils vont pouvoir se dégager tranquillement. Ils vont pouvoir se dégager tranquillement. Ouais, spoilez pas les gars, pour ceux qui n'ont pas vu, spoilez pas les gars, pensez aux autres.
Allez, le jeu repart. La passe vers l'avant, elle va être récupérée. Nouveau par Sergi Roberto à droite du rond central. Récupération barcelonaise. Las Palmas arrive plus à être dangereux du tout. Vraiment, allez, ça repart à droite du rond central. Le ballon piqué pour lancer Rafinha en profondeur. Ça va être dévié de la tête. C'est récupéré nouveau pour les joueurs de Las Palmas qui dégagent. Et ça va être une touche à droite au milieu de terrain. Allez, touche à suivre. La touche pour Koundé. C'est joué. Réel, ça fait bizarre de pas te voir en live, Panis. Non, mais même moi, ça me fait trop bizarre de pas live. Hein. Ça me fait trop bizarre de pas live. Hein. Vraiment, trop habitué en vrai à passer la soirée comme ça. Commenter les matchs, parler avec vous. Trop l'habitude. Donc quand il y a beaucoup de jours comme ça à arrêter, c'est chaud. Allez, c'est récupéré par Koundé. La passe de Koundé pour Gundogan. Gundogan pour Firmin, ça repart avec Lamine Yamal à droite de la surface. Ballon piqué de Lamine Yamal dans la surface. Ça va être dévié, c'est récupéré encore dans, au point de penalty. Remise de la tête, ça traîne, il y a beaucoup de jambes. Roberto récupère, c'est encore dévié. Et ça va être dégagé loin devant pour Las Palmas encore. Et récupération pour le Barça. Les gars, c'est très simple. Las Palmas récupère la balle, il dégage loin devant. Il n'y a pas de feinte. Il n'y a pas de feinte. Allez, le dégagement joué encore pour le Barça, mais ça va être mal dégagé. Mal dégagé, touche pour Las Palmas dans leur moitié de terrain. La touche qui va être jouée. La touche qui va être jouée en grande détente. Ça va prendre le temps. Ça va prendre le temps. Allez, ils vont prendre leur temps. Ils vont prendre leur temps. Allez, Cardona pour jouer la touche devant sa surface. Yanis, t'en penses quoi demain? T'en penses quoi pour demain, OM vainqueur? Mais jamais de la vie, OM vainqueur, sois réaliste ma biche. Allez, touche jouée, et ça va ressortir, nouvelle touche encore. Nouvelle touche encore sur le côté gauche, au milieu de terrain pour Las Palmas. Les gars, imaginez Las Palmas ouvre le score, les gars. Imaginez Las Palmas ouvre le score. Si, on va gagner, pleure. Pleure, Nasri, pleure. Allez, touche jouée. Allez, c'est bien récupéré, ça va être une nouvelle touche. Et encore une fois, cette fois, touche pour Las Palmas aux 40 mètres côté gauche. Attends, jamais, on en parle après, t'inquiète. On en parle après, t'inquiète. Allez, la touche qui va être jouée par Cardona. Cardona sur le côté gauche. Allez, ça prend le temps. Ça prend le temps. Il prend son temps, Cardona. Allez, c'est pas Xavi, Xavi est suspendu. C'est pour ça, il est pas là. Allez, touche jouée, c'est récupéré pour le Barça, mais repris pour Las Palmas. Avec Cardona, il se fait tacler par derrière par Firmin, il n'y a pas de faute. Récupération barcelonaise avec Gundogan. Il est bloqué par trois joueurs. Il repart avec Koubarsi à droite de sa surface. Il est pressé, Koubarsi. Il va se dégager, il se dégage bien. Et ça revient sur Firmin côté droit. Le crochet, il passe par récupération de Las Palmas. Ça repart à gauche de la surface du Barça. Avec Cardona. Allez, il n'y a pas d'hors-jeu. Cardona qui récupère, mais le ballon va être dévié par Firmin. Il a trop tardé. Firmin reprend à droite de sa surface. Il resserre Koundé qui resserre Koubarsi à droite de sa surface lui aussi. Allez, Koubarsi, il est bloqué par deux joueurs, mais il va réussir à se dégager avec un bon ballon piqué vers les vannes. Dévia son poitrine, mais c'est rendu aller à Las Palmas. Ça repart encore avec Cardona qui prend une balayette par Firmin. On laisse l'avantage, récupération de Las Palmas. Ça revient en trait de surface. La passe plein axe avec Ramirez qui va écarter à gauche de la surface avec Cardona. Le centre de Cardona, deuxième poteau, c'est dévié. C'est récupéré en trait de surface quand même pour Las Palmas. Ça passe encore devant Koundé. La frappe, elle va passer à côté. Et ça va être un 6 mètres. 6 mètres pour le Barça, ça a été touché mais retouché je crois derrière par Loadois. Attention quand même. Attention quand même pour le Barça. Non, ça a pas... en fait la frappe n'a pas été touchée. C'est une frappe ratée, c'est tout. Allez, le dégagement va être joué. Allez, ça va être joué. Allez, ça repart. T'es effrayant, Ilyes Boutif. Allez, ça repart à droite au milieu de terrain. Les angles morts, ah ouais. C'est sympa la force. Allez, ça repart avec Gundogan. La passe de Gundogan pour écarter à gauche du rond central. Allez, c'est bien donné avec Inigo Martinez. La passe d'Inigo Martinez, il va écarter à gauche du rond central. C'est récupéré par Koundé. De nouveau à droite au milieu de terrain. Allez, Koundé, la passe de Koundé pour repartir avec Gundogan. Gundogan toujours. La passe de Gundogan pour écarter avec Lamine Yamal. Ça repart avec la récupération de Koundé. Allez, Koundé balle au pied. La passe de Koundé qui repart à droite du rond central. Allez, c'est bien donné avec Koubarsi. La passe de Koubarsi. C'est récupéré de nouveau à gauche du rond central. Et c'est récupéré encore une fois avec Inigo Martinez. La passe d'Inigo Martinez pour écarter de nouveau latéralement. Avec ce ballon récupéré par Roberto. Roberto pour Koubarsi dans le rond central. Il écarte avec Koundé à droite au milieu de terrain. Allez, Koundé encore. La passe de Koundé pour écarter à droite du rond central. C'est bien récupéré de nouveau par Koubarsi. Allez, Koubarsi qui avance. La passe de Koubarsi s'est récupérée au 25 mètres dans l'axe avec Firmin. La frappe de Firmin, elle va passer juste à côté. Ça passe juste à côté, cette frappe de Firmin. C'était bien tenté, c'était bien pris, c'était bien frappé. Mais ça passe à côté, la frappe. C'était bien tenté. Il a une belle frappe, Firmin. Il a une belle frappe, Firmin. Mais ça passe à côté en détente. Ça passe à côté. C'est grave de pas gagner contre Las Palmas. C'est pas fini, frérot. Abuse pas non plus. C'est pas fini, on peut abuser pas. Grosse dédicace à toi, Yed. Grosse dédicace à toi, mon frère. Allez,
Mon prono, moi mon prono, j'avais dit le Barça gagne, mais serré. Serré. J'avais dit serré. Allez, dégagement joué. Le ballon qui est récupéré par Jules Koundé. Allez, Koundé qui reprend à droite de sa surface. Bonne récupération pour Koundé. Tranquillement, la passe de Koundé pour écarter latéralement. Avec ce ballon qui est récupéré par Ter Stegen. Les gars, oubliez pas. Et là, je m'adresse surtout aux frérots de TikTok. Demain, je commente le Classico PSGOM avec Mohamed Denis, vous le savez. Mais sur la chaîne uniquement YouTube de Winamax. Donc voilà, je ne serai pas sur ma chaîne YouTube ni sur ma chaîne TikTok. On sera uniquement sur la chaîne YouTube de Winamax, les gars. Le Classico avec Momo Ini, comme d'habitude pour les PSGOM. Allez, donc ça, oubliez pas. On sera là, ça va être le divertissement demain, les gars. Allez, ça repart. Et en plus, il y a un bras de fer. Celui qui perd offre une PS5 à quelqu'un. Il y a un bras de fer, le perdant offre une Play 5. Donc soyez là, dès le début. Dès le début. Je crois qu'on live à 20h15, je crois. Début à 20h15. Je crois que c'est 20h15. Prise d'antenne 20h15, il me semble. Allez, le jeu va pouvoir repartir. Mauvais passe là pour Lewandowski, un peu long. C'est récupéré par Aaron dans sa surface. Allez, Aaron va pouvoir se dégager. Incroyable combat, t'as déjà fini la vidéo? Oh, c'est impressionnant, frère, elle dure 19 minutes, elle est sortie à 10 minutes. Allez, ballon récupéré. Ah, t'es peut-être passé direct au combat, c'est possible. Allez, ça repart à droite au milieu de terrain, c'est récupéré par Koundé. Allez, Koundé qui récupère, c'est récupéré de nouveau par Lamine Yamal qui resserre Koundé. Ça resserre Gundogan. La passe de Gundogan pour écarter à droite du rond central. La bonne récupération encore, c'est récupéré par Koubarsi. La passe de Koubarsi pour retrouver Lamine Yamal. Le crochet de Lamine Yamal. Oh, la passe était bien vue pour Gundogan, mais ça manque de puissance. Et c'est dégagé par Las Palmas encore une fois. Et c'est récupéré de nouveau pour les Barcelonais dans leur moitié de terrain. La bonne récupération encore avec Ter Stegen devant sa surface. Allez, Ter Stegen qui peut avancer. La passe de Ter Stegen pour écarter à gauche au milieu de terrain. C'est récupéré par Inigo Martinez qui resserre Sergi Roberto. À gauche du rond central. La passe latérale de Sergi Roberto. C'est récupéré par Firmin Lopez. Firmin qui peut avancer sur YouTube. Sur YouTube, M94. Allez, ça repart avec Lamine Yamal. Le centre de Lamine Yamal. Ça va être repoussé au premier poteau pour Las Palmas. Récupération de Ramirez devant sa surface. Mais c'est récupéré pour le Barça. Il y a un joueur qui reste à terre. Ramirez lui a mis un coup de fesse. C'est récupéré par Koundé. Koundé qui repart légèrement à droite aux 30 mètres avec Firmin. Ça repart devant le rond central avec Koubarsi. La passe de Koubarsi pour écarter avec Inigo Martinez. Il repart à gauche aux 30 mètres avec la récupération de Cancelo. Cancelo qui repart avec Sergi Roberto. Roberto, ça va revenir à gauche du rond central. Récupération encore de Roberto. Roberto pour écarter à gauche de la surface. C'est repris de nouveau avec Rafinha qui repart avec Gundogan dans l'axe aux 30 mètres. Gundogan bloqué par deux joueurs. Il arrive à conserver la balle. La passe, elle est sublime dans la surface. Le centre en retrait pour la frappe de Rafinha. Oh, c'est un côté. Oh, quelle occasion pour le Barça. Oh mais Gundogan, oh mais Gundogan, mon dieu, la passe. Il est bloqué par 3 joueurs, il met une passe qui prend 6 joueurs. 6 joueurs, Cancelo le centre en retrait, il est sublime, Rafinha au point de pénalty, il n'arrive pas à cadrer. La passe de Gundo, la remise de Cancelo, tout est parfait. Tout est parfait. Incroyable, Gundogan, c'est vraiment trop. C'est vraiment trop. Ma femme, elle m'a envoyé, punaise, vous êtes ridicule, je suis morte de rire. Allez, le jeu repart, le dégagement est joué. Et c'est récupéré de nouveau pour le Barça. Et ça va sortir en touche. Ça va sortir en touche. Gundogan tellement sous-côté, il est trop fort, frère. Il est trop fort. Va pleurer, Dylan. Va pleurer. Il y a eu de la triche. Il est où le Classigro sur la chaîne de oui, sur la chaîne de Momo. Chaîne de Mohamed Denis. C'est sur la chaîne de Mohamed Denis, les gars, le Classigro. Allez, touche jouée, le ballon qui est récupéré par Ramirez. Et ça va sortir, mauvais contrôle, touche pour le Barça devant leur surface. Et il y a 5 minutes de temps additionnel, 5 minutes de temps additionnel. Allez, ça va être joué, cette touche de Jules Koundé, il prend son temps. Allez, touche de Koundé, c'est récupéré par Firmin Lopez. Le ballon va sortir, et nouvelle touche pour le Barça devant leur surface. Nouvelle touche, 5 minutes c'est beaucoup, bah après il y a eu la VAR, il y a eu le rouge, c'est normal. Il y a eu VAR pour le hors-jeu de Rafinha sur le but. Il y a eu le carton rouge. Allez, la touche qui va être jouée. C'est joué, ça repart avec Lewandowski à droite du rond central. Il se fait bousculer, il y a faute. Coup franc. Et heureusement qu'il y a faute. Coup franc pour le Barça. À droite du rond central. Allez, c'est joué ce coup franc, ça repart à gauche au milieu de terrain. La passe latérale pour Rafinha. Allez, Rafinha, ça va être récupéré de nouveau à droite du rond central. La bonne récupération encore avec ce dégagement de la part d'Aaron. Ça va revenir à droite au milieu de terrain. Et ça va sortir en touche. La touche qui va être jouée. La touche qui va être jouée tranquillement encore une fois pour le Barça. Las Palmas, il n'y arrive pas. Hein. Las Palmas, ils n'y arrivent pas là, les gars. Ils n'y arrivent pas du tout. Ils n'y arrivent pas.
Allez, ça repart. Le ballon qui est récupéré par Lamine Yamal. Allez, c'est bien récupéré. Ça va revenir de nouveau devant leur surface. Et ça repart pour Las Palmas maintenant. À gauche du rond central, attention à la contre-attaque. Ça resserre Cardona aux 25 mètres. Cardona qui peut avancer. Cardona balle au pied. Et récupération sans faire de faute. Récupération sans faire de faute. Et s'il y a faute, coup franc pour Las Palmas. Entrée de surface légèrement côté gauche. Attention. Allez, le coup franc qui va être frappé dans l'axe légèrement côté gauche. Légèrement côté gauche. Les gars, imaginez juste maintenant, ils ouvrent le score. Imaginez juste maintenant, ils ouvrent le score, les gars. Après, Dylan, après. Allez, le coup franc va être frappé. Le coup franc qui va être frappé pour Las Palmas tranquillement. Le but annulé, c'est mérité ou pas? Ça dépend ce qui est jugé. Ça dépend ce qui est jugé. Allez, le coup franc qui va être frappé direct. Oh, ça passe, je l'ai vu dedans. Oh, ça passe juste à côté, c'était puissant. Ouh, ouais, je vous jure, je l'ai vu dedans, ce coup franc de Coco. Il vient flirter avec le poteau, il touche le petit filet. Ter Stegen était battu. Ouais, c'était chaud, et attention parce que là, ça repart déjà pour le Barça. Le ballon piqué dans le dos de la défense pour Evan. Crochet sur Aaron, mais il l'enferme bien. Et Lewandowski est bloqué côté gauche. Il va centrer, c'est dévié, corner pour le Barça. Corner pour le Barça. Oh là, et ça part très vite. Hein. Ça part très vite. Hein. Ça part très vite. Ouais, ça part. Et le coup franc passe vraiment pas loin. Le coup franc. Bah vas-y en fait, Dylan, mets le lien. Ouais, mets le lien. Les gars, Dylan va vous mettre le lien de la vidéo, ceux qui la voient pas. Ceux qui la voient pas sur la chaîne de moment. Allez, le corner est frappé, point de pénalty. Ça va être dévié de la tête et ça va être récupéré par Gundogan. Allez, Gundogan qui va écarter à gauche de la surface et récupérer nouveau par Rafinha. Il va centrer Rafinha, ça va être dévié, nouveau corner. Nouveau corner à suivre pour le Barça. Il reste une minute à jouer. Il reste une minute à jouer. Allez, une minute à suivre. Une minute à suivre. Les gars, ceux qui vont aller voir... Attends, on va suivre le corner. Le corner qui est frappé. La tête, elle va être déviée. C'est récupéré en entrée de surface. Encore par Lamine Yamal. Ça revient 25 mètres, demi-volée de Cancelo. Ça passe au-dessus. Les gars, par contre, ceux qui vont aller regarder la vidéo... Ceux qui vont aller regarder la vidéo, je spoil pas. Et j'en parlerai une fois que tout le monde aura vu. Mais les gars, vous mettez en commentaire... On veut les angles morts, Momo tricheur. Vous mettez ça en commentaire de la vidéo. On veut les angles morts, Momo tricheur. C'est bon? C'est bon. T'es gros en fait Yannis, c'est la ceinture aussi. Bon, je suis gros mais c'est la ceinture aussi. Allez, le dégagement joué pour Las Palmas. Dégagement joué sur ce 6 mètres. Allez, ça va être récupéré de la tête au milieu de terrain. Mais Koundé reprend et ça resserre la mini-mal. Et la bonne passe là pour écarter avec Firmin. À droite de la surface, Firmin qui va centrer sans contrôle. Et c'est dévié. C'est dévié, c'est dégagé pour Las Palmas encore. Et touche pour Barcelone. Est-ce que l'arbitre va siffler la mi-temps là-dessus? Oui. C'est la mi-temps. C'est la pause. C'est la pause les gars qui est sifflée. C'est la mi-temps qui est signalée. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. 0-0 à la pause entre le Barça et Las Palmas. Non, je spoil pas, Shank. 0-0 entre le Barça et Las Palmas. 0-0. 0-0, les gars. Bon, le Barça, attention quand même. Le Barça, attention quand même. Ouais. Allez, vous allez vous faire massacrer par le Barça. Bah en vrai, les gars, honnêtement les mecs, là, si vraiment, si on parle de ça, Rafinha était bon. Rafinha était pas mauvais. Vous dégoûtez les mecs. Ah, ça ride, ouais, c'est impressionnant, vraiment. Mais après, les gars, vous m'avez déjà vu torse nu quand je célébrais un but de Paris. Vous voyez bien que je suis pas aussi gros que je le suis dans la vidéo, les gars. Vous le voyez. Vous le voyez. Vous le voyez. Regarde le commentaire sur la vidéo, Esco. On te dit pas tout, là. On te dit pas tout, ma biche. On te dit pas tout. Ouais, c'est vrai. Non, mais vraiment, les gars, je parais plus gros sur la vidéo. Mais après, c'est normal. C'est normal, les gars. Ah, si, si, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie, les mecs. Non, Sartre a séché vraiment. La Lune, on est d'accord que je parais beaucoup plus gros sur la vidéo que ce que je suis réellement avec la ceinture. On est d'accord quand même. Je dis pas que je suis maigre. Ouais.
T'as trouvé ça drôle? C'était drôle. On est ridicule de ouf, voilà, des barbes. Moi je trouve, pas gros, t'es juste un peu obèse, mais va pleurer. Voilà la Lalune. Lalune d'ailleurs, frérot. Frérot, t'es déçu de la première mi-temps du Barça ou pas? Non, les gars, attendez, parce que Lalune, il était là sur place. Lalune, je l'ai invité, les gars, il était là, il a vu le combat de ses yeux. Il était sur place. Il était sur place. Les gars, maintenant, ceux qui veulent pas être spoil, coupez le son. Je vais vous faire exactement ce signe-là quand j'aurai fini de parler. Parce que là, je vais spoil. Ceux qui en ont rien à foutre d'être spoil, tranquille. Mais ceux qui veulent pas être spoil, coupez le son. Dès que je fais ça, vous pouvez remettre le son. C'est bon? Je vous laisse deux secondes pour couper, vas-y. C'est bon. Lalune, s'il te plaît, t'étais sur place. Sur la dernière manche, est-ce que tu peux leur dire que le pied de Momo sort avant que je sorte? Et que du coup, normalement je gagne, mais qu'il a triché. Il y a un deuxième angle qu'ils veulent pas montrer. Lalune, sois honnête. Lalune, dis-leur s'il te plaît. C'est bon les gars, c'est bon. Les gars, j'ai une preuve vivante, c'est le Got Lalune. J'ai une preuve vivante, c'est le Got Lalune qui était là, sur place. Ouais, il était là sur place les gars. Il y a plusieurs caméras. Je veux voir la VAR. Je veux voir la VAR les gars. Je veux la VAR. Il est pas honnête. A ton avis, ce Barça peut-il battre le PSG? Bah en vrai les gars, ah c'est l'épaule là, la tête de Lewandowski sur la barre tout à l'heure. Les gars, moi je le répète encore une fois, là vraiment pour ce match, bon si on reparle là du PSG, là on tourne un peu sur tout, mais Cancelo sert à rien. Après les gars, ils ont pas envie de se blesser non plus je pense. Là faut pas oublier ça, hein. T'as pas envie de te blesser avant. Quand j'étais pas là, parce que ma grand-mère est morte hier, maintenant je serai plus là. Force à toi l'immigré 99 Calvici. Araïd Ahma, paix à son âme mon frère. Bon, force à toi frérot, force à toi, force à la famille. Bon courage pour ce moment compliqué frérot. Bon courage, je suis très nul dans ces moments-là, je sais pas quoi dire, je suis très mal à l'aise, mais force à toi mon frère. Force à toi mon frère, on est tout cœur avec toi ma biche. On est tout cœur avec toi. Tout le soutien du monde mon frère. Au lieu d'inviter Lalune au parc pour PSG Barça, tu l'invites pour un combat entre deux personnes inondées de gras. T'as pas honte Panis. Merci Niroz pour le don de 6€. Merci beaucoup Niroz. Bah après frérot, encore faut-il que moi j'y aille pour l'inviter, tu vois ce que je veux dire. Mais à chaque fois que je fais un truc en vrai sur Paname, je dis à Lalune s'il veut venir. Lalune. Arbitrage compliqué, j'avoue que bon après tranquille. On sait. Voilà, mais Lalune. Dealer, t'étais là. Dealer. N'aie pas peur. Dis-le. Dis-le Lalune. Ou t'es viré. Dis-le Lalune. Effrayant, j'y pète, t'es pas drôle. Bon les gars, bon, sinon bref, rien à voir. Rien à voir avec tout le reste. Rien à voir avec tout le reste. Les gars, j'ai une question à vous poser. Pour vous, mais vraiment objectivement les gars. Pour vous, qui va se qualifier? Qui va se qualifier entre le PSG et le Barça? Qui va se qualifier entre le PSG et le Barça, les gars, pour vous? PSG, Barça, c'est serré, hein? Paris logique, PSG. Il y a... En vrai, c'est serré, hein? Aucune idée. Barça, PSG. Franchement, c'est serré. Ah, il aura lieu, Lalune, il aura lieu, t'inquiète. Bon, détente. Yanis va voir idée Twitter. Mais là, vous êtes serré, mais en vrai, ça va être chaud. Ouais, bien vu, Ethan. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ça c'est magnifique. Barça. Ben les gars, dans tous les cas, ça va pas être simple. Mais moi je répète encore une fois les gars, que ça ne sera pas facile.
Ce match contre le Barça sera pas facile. Maintenant, faudra voir. Les gars, moi, je le répète encore une fois, hein, vaut mieux que le Barça ne gagne pas ce soir, mais en n'ayant personne de blessé, que de gagner ce match et avoir des blessés. Les gars, on est d'accord que vous préférez ça quand même. Que le Barça ne gagne pas sans blessure plutôt que le Barça gagne avec blessure. On est bien d'accord. Ouais, je viens de revenir de la vidéo. Bah oui, oui, grave. Bah oui, large. Exactement. Oui, bah oui. Non, on préfère qu'ils ont des blessures. Les gars, moi je le répète encore une fois, hein, y en a beaucoup qui se réjouissent des blessures quand une équipe a des blessés, etc. Les gars, moi je peux pas me réjouir de ça. Honnêtement, je peux pas. Franchement, je peux pas, les gars. Honnêtement, ça c'est... Moi, pour moi, ça c'est pas possible. Genre, si Lamine... Moi, je préfère que le Barça vienne avec tous ses joueurs plutôt qu'ils viennent comme pour nous. Je préfère qu'on vienne avec tout le monde. Après, les gars, faut pas oublier que honnêtement, moi, c'est... Nous, on est l'équipe en termes d'absence de joueurs pour les matchs où on s'est le plus fait, nous, carotte. À tous nos matchs de Ligue des Champions, on avait un gros joueur qui n'était pas là. Neymar, Verratti, truc. Et on en passe à chaque fois sur les matchs, les phases d'élimination directe. On a subi avec les joueurs absents. On a subi, vraiment. Mbappé, à un moment, je crois, quand il se fait tacler contre Saint-Etienne. C'était ça, je crois. Mbappé rate quel match quand on se fait tacler contre Saint-Etienne? Il rate la LDC, Mbappé. Quand il se fait tacler sale, là, c'était contre Saint-Etienne, je crois. C'était Saint-Etienne. C'était Saint-Etienne, non? Je crois que c'était Saint-Etienne. C'était Neymar. Non, Mbappé. Une d'Mbappé. C'était une sur Montpellier. C'était Loïc Perrin. Ouais, c'était donc Saint-Etienne. C'était bien Saint-Etienne. Ouais, contre Saint-Etienne, je me rappelle la grosse blessure. En fait, nous, à chaque fois, on a des douilles sur les absences. Franchement, en termes de Ligue des Champions, on a tout le temps des absents. Tout le temps. Ça, c'est très grave, par contre. Tout le temps, on a des absents et des très, très importants, en plus. Marouane, il sort avant, en plus. Il sort avant. Essaye de regarder au ralenti, je pense que tu le vois. Regarde la dernière manche, Marouane. Pas plus que pour le... Mais on le voit pas bien, mais je pense que tu le devines, entre guillemets. Ça fait mal l'absence de Bradley Barcola. Ligue des Champions, c'est pas votre truc. Ouais, bah en fait, c'est pas question que c'est pas notre truc. C'est question qu'on a tout le temps des joueurs qui sont pas là. C'est ça le problème. Et après, là, le Barça, ça commence aussi à être un club qui essuie beaucoup de blessures. Même si là, logiquement, tout le monde devrait être de retour en temps et en heure. Maintenant, moi, je préfère affronter un Barça armé contre un PSG armé plutôt qu'un Barça amoindri contre un PSG rempli ou autre, tu vois. Comme j'ai pas envie que le Barça arrive complet et que nous on n'arrive pas complet. J'ai envie d'affronter les équipes complètes. Complètes, vraiment. C'est ça que j'ai envie d'affronter, moi. C'est ça que j'ai envie d'affronter. Et je peux pas me réjouir de l'absence de tel ou tel. Ça, moi, pour moi, c'est impossible. Pour des blessures et tout, j'aime pas. J'aime pas. Franchement, j'aime pas. Après, le truc que je me dis, c'est que là, les gars, franchement, est-ce que au final, mettre De Jong titulaire au match aller, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée, les gars? De Jong n'aura pas joué depuis un mois. Il n'aura aucun rythme. Il n'aura pas d'intensité. Le match va être intense. Un mois sans jouer, plus retour de blessure. Titulaire contre le PSG en LDC en quart de finale. Les gars, est-ce que c'est une bonne idée? Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les gars? C'est chaud, en vrai. Moi, par contre, les gars, si le Barça a tout le monde... Il y a une erreur qui serait faite. Il y a une erreur qui serait faite. Vraiment. C'est si le Barça aligne un milieu de terrain. Gundogan, De Jong, Pedri. Pour moi, ça, c'est une erreur. Pour moi, ça, c'est une erreur. Gundogan, De Jong, Pedri, pour moi, c'est une erreur, ce milieu. Pourquoi? Bah parce qu'on le voit, en fait. On le voit, en fait. Et Riles en avait parlé, en fait. Riles en a parlé aussi. Mais on le voit, c'est vrai que t'as des profils un peu trop similaires. Et que là, le milieu de terrain du Barça, pour moi, a besoin de ce joueur-là qui te met de l'impact au milieu. C'est pour ça que pour moi, l'apport de Christensen au milieu de terrain devant la défense fait du bien. Mais après, tu te retrouves avec des joueurs avec des profils un peu similaires. Et encore plus
encore plus si tu bascules Pedri et lié gauche, tu vois. Si tu arrives avec Christensen, Gundogan, De Jong, Pedri, Pedri et Gundogan vont peut-être un peu se marcher, ça va être des profils un peu similaires. Pour moi, ça serait une erreur de faire ça. Ça serait une erreur. Pour moi, entre Gundogan, De Jong et Pedri, en mettre deux sur les trois, c'est bien. C'est bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça fait des profils un peu similaires. Il y a un profil qui met un peu moins d'impact au milieu, tout ça. Gundogan, Christensen et Roberto. Non, je pense qu'en vrai, en fait, là, la question, c'est quand si t'as tout le monde qui revient pour le Barça, même avec Gavi, les gars, parce que Gavi, faut en parler français, Gavi, quand il était titulaire là avec le Barça, c'est parce qu'il y avait De Jong et Pedri qui étaient blessés. De Jong et Pedri étaient blessés. Mais là, Gavi, si il était encore présent et que tout le monde n'était pas blessé, tout le monde est là. Les gars, Gavi mérite pas du tout de retourner sur le banc. Il mérite pas du tout. Mais dans ce cas-là, c'est quoi ton milieu de terrain? C'est quoi ton milieu de terrain? Parce que si Gavi s'était pas blessé, tu te retrouves avec au milieu de terrain Gavi, Pedri, De Jong, Gundogan, déjà là-dessus, comment tu fais? Christensen qui joue maintenant devant la défense. Romeu, même si on s'en cale. Firmino Lopez, ça fait beaucoup, les gars. Mais dans ce cas-là, si tu mets Gavi, tu mets qui avec lui? Qui tu mets sur le banc? Est-ce que tu mets De Jong sur le banc ou autre? Gavi, De Jong, Gundogan. Donc toi, tu mettrais Pedri sur le banc. Gavi, De Jong, Gundo. C'est ce qui revient beaucoup. Hein. Le même si on s'en cale, c'est pour m'abattre. Après, c'est vrai, on s'en cale. Vraiment. Je viens de voir la vidéo, Yanis. Merci à vous deux. J'ai grave rigolé. Vous êtes comme des frères. Je vous kiffe. Non, c'est un coup. Franchement, les gars, je le répète encore une fois. Hein. Pour la vidéo avec Momo, les gars, on rigole tout ça, mais je le répète, je l'ai dit en début de live, mais je le répète encore une fois là pour la petite aparté. Franchement, les mecs, c'est quelqu'un de très gentil. Vraiment, ce mec-là, il a le cœur sur la main. C'est quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très drôle. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup, quelqu'un qui m'aide beaucoup, quelqu'un qui me propose beaucoup de choses. C'est vraiment, les gars, vraiment, c'est un bon gars. Et c'est quelqu'un que je porte vraiment dans mon cœur. Et même s'il y en a qui peuvent se dire, ouais, il abuse avec Paris, les gars, je vous jure que c'est il rigole, il taquine, c'est dans la rivalité, mais il dépasse jamais les bornes. Il dépasse pas les bornes. Et vous le savez aussi bien que moi, les gars. Il est dans la rigolade, dans la taquinerie. Il met les maillots des équipes adverses, tout ça, c'est gaulerie, spam. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est, les gars, il dépasse pas les bornes. Et c'est ça qui fait que moi aussi, je taille l'OM. Mais je dépasse pas les bornes. Et c'est ce qui fait qu'on est pareil, lui et moi, à ce niveau-là. Même si lui, il va plus loin dans le trash, tu vois, maillot de l'adversaire, il va voir les matchs de l'équipe adverse, tout ça. Mais je vous jure, les mecs, hein, j'ai rarement vu un mec aussi gentil, un mec aussi bienveillant que lui. J'ai rarement vu un mec comme ça. Franchement, les gars, j'ai rarement vu. Il a pas du tout la grosse tête, il sent pas les reins. On parle de tout. Il est comme il est, comme vous voyez en vidéo, les gars, il est pareil en privé. Hein. Il va faire des blagues, il va me tailler sur Paris, truc, son humour. Il est pareil. Mais je vous jure, les gars, que c'est un gars vraiment, les gars, c'est un mec en or. La vérité, c'est un mec en or. C'est vraiment un mec en or. Et je le répète encore une fois, même si vous voyez des trucs, etc. Pour les photos pour le combat de sumo, les photos pour le combat de sumo, on se mettait tête à tête comme ça. Le photographe, il nous disait, mettez-vous tête à tête. Les gars, juste on collait notre tête, on explosait de rire. On explosait de rire, on était mort. C'est de la. Les gars, c'est une petite rivalité qui fait des petits jeux comme ça. Et on peut faire d'autres sports en plus derrière. On peut se faire des petits trucs, on va faire de la lutte. La lune était là, les gars, il peut vous confirmer. On pétait de rire. Mais c'est vraiment des trucs bon enfant. Et c'est. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est. C'est drôle. C'est bienveillant. C'est bon enfant. C'est dans le respect. Tu vois, c'est dans l'amitié en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment dans l'amitié, dans le truc, tout ça, c'est vraiment... Non, avec Momo, franchement, c'est lisse, c'est fluide. Et ça, je pense que ça donne une bonne image aussi de la rivalité PSG-OM, plutôt que rentrer dans les bagarres, tout ça. C'est là, c'est une rivalité sportive où on rigole dans la bonne humeur, dans la rigolade. Non, franchement, c'est énervé. Mais franchement, on a kiffé, on a passé... Moi, perso, j'ai passé un bête de moment, lui aussi, de toute façon, il me l'a dit, mais on a passé un bête de moment. Et au-delà du contenu de la vidéo, au-delà du contenu, ouais, on vous propose un combat de sumo, tout ça, au-delà du contenu, le moment qu'on a passé, le moment était incroyable. C'était incroyable, on s'est rejoint avant,
on a parlé, tout ça, on a cassé notre jeûne ensemble, et c'est l'essentiel de toute façon. On a cassé notre jeûne ensemble, on parlait, on est parti là-bas, on s'entraînait, on a rigolé, truc. C'était un bon moment. Au-delà du contenu, les gars, c'est un moment qu'on a kiffé passer ensemble. Donc je le répète, Eni, GOAT, la vérité, GOAT. Il fait passer vraiment, les gars, GOAT. Dans le comportement, dans la personne que c'est, franchement, GOAT. Vraiment, les gars. Vraiment un GOAT. Vous êtes des Z aussi, ouais, c'est vrai. Après, on n'a jamais commenté un match de l'Algérie ensemble. C'est vrai, ça, on l'a pas encore fait. Mais demain, c'est la guerre, par contre. Hein. Demain, c'est la guerre, par contre, les gars. Demain, c'est la bagarre. Hein. Demain, Classico, le commenta 2 sur Winamax, les gars. Demain, c'est la bagarre. Hein. Demain, c'est la bagarre, les mecs. Hein. Demain, c'est la bagarre. Toujours. Toujours. Bagarre, bagarre. Coucou, frérot, j'espère que tu vas bien. Vivement demain, bon match à toi. Ça va et toi, Ramous? Comment tu vas? Mais attends, t'es supporter PSG, Ramous? Je savais pas que tu suivais le foot, toi. Et petit aparté aussi, je suis parti voir Insta, j'ai pas vu de message. Je sais pas si tu m'as envoyé un message sur Insta, mais j'ai pas vu. Je suis parti voir, j'ai pas vu, frérot. Tu as bien la tu as bien de télé cassée. Non, j'ai pas de télé cassée pour le coup. J'ai pas de télé cassée pour le coup. Les gars, je voulais faire un truc, mais j'ai pas trouvé. Vous savez ce que je voulais faire? Je voulais mettre un t-shirt, je voulais me broder deux t-shirts pour le Classico de demain, mais j'ai pas eu le temps, ça m'était trop de temps à arriver. Un t-shirt avec Mbappé avec la Ligue des Champions. Et un deuxième t-shirt avec le truc des subs là. L'emoji que les subs ils ont. De Eni qui crie. Sa tête en grand qui crie après un but, je l'enlève. Je voulais faire ça. Je vous jure, je le ferai plus tard, mais maintenant vous le savez, mais. Allez, la deuxième mi-temps est partie. Non, je suis supporter de l'Olympique Lyonnais depuis tout petit, frérot. Gerland, etc. Mais bon, je le dis pas trop fort. Mais en vrai, Lyon reste un club extraordinaire de Ligue 1. Hein, on va pas se mytho. Hein. Ça reste un grand club de Ligue 1 et l'un des plus grands clubs de Ligue 1. Non, tu peux le dire. Surtout que là, vous revenez bien quand même. Franchement, ça se réveille bien. Ça se réveille bien. Vous avez fait une belle remontée. Putain, Gerland et tout. Ah, c'est vrai que c'était quelque chose, Lyon. Les 7 titres d'affilée, tout ça. N'est pas honte, Ramous. La vérité n'est pas honte. Grand club Lyon, ça reste un grand club, peu importe ce qui se passe. Mais ça se relèvera, c'est certain. J'oublie pas la Ligue des Champions à l'époque du Covid qu'on a. Attends, ah bon bah non mais ça sort en 6 mètres. J'oublie pas la Ligue des Champions Covid qu'on a passé avec Lyon moi les gars, vraiment. La Ligue des Champions quand Lyon se fait sortir par le Bayern là en demi, je crois. Ouais c'était en demi. Demi ou quart. Je me rappelle plus, ils sortent en demi Lyon. Ouais, demi vous sortez les Lyonnais, je crois. Demi hein. Oh, c'est demi, j'ai un doute là. Demi, vous sortez contre le Bayern. Ouais, demi. Comment il va, Khairo? Ça va ou quoi? Il est sorti sur la chaîne, ça y est, sur la chaîne de Mohamed. Il est sorti sur sa chaîne en vidéo là. Ouais, demi. Bah les gars, regardez, à ce moment-là, les gars, comment c'était... c'était... Tu vois, on les encourageait, c'était stylé ce moment-là aussi avec les Lyonnais. Allez bref, on se remet sur le match. Allez, ça repart pour les joueurs barcelonais. À gauche au milieu de terrain avec Cancelo. Allez, Cancelo qui repart devant sa surface. Ça va être piqué pour écarter à droite du rond central. Récupération de Koundé. Allez, Koundé qui va écarter avec Gundogan. Ça repart avec Fermín López qui resserre Koundé. C'est mal donné, c'est récupéré pour les joueurs de Las Palmas. Et ça va être une touche pour le Barça à droite au milieu de terrain. Bon, par contre, le Barça va devoir se sortir les doigts là pour aller chercher la victoire s'ils la veulent. Mais attention, risque de blessure. Allez, ça repart. Gundogan balle au pied pour retrouver Koundé. La passe de Koundé pour écarter à droite du rond central. C'est bien donné. Ça repart à gauche du rond central avec Inigo Martinez qui récupère. Inigo Martinez qui peut avancer. Inigo pour Cancelo. Cancelo pour Rafinha. Ça va avancer encore avec le centre de Cancelo. Et ça va être capté. C'est capté sans aucun problème par Aaron. Aaron qui récupère. Tranquillement. Allez, ça va se dégager tranquille. Ils prennent leur temps. Allez, c'est dégagé, loin devant pour Las Palmas. Et ça va être pris pour le Barça à droite au milieu de terrain. Le crochet s'est récupéré de nouveau pour les joueurs de Las Palmas. La passe en profondeur, c'est récupéré par Koundé. Et il y a touche. La touche qui va être jouée encore une fois à gauche au milieu de terrain. Et touche pour Las Palmas, à moins que je crois même qu'il y ait une faute. Je ne sais pas. Mais il y a touche. Ouais, et c'est bien une touche pour Las Palmas à gauche au milieu de terrain. Allez, la touche va être jouée en détente. Ça prend le temps. Ça prend le temps. But de Reims, Lyon perd. Reims a ouvert le score. Inquiétant. Allez, ça va repartir. Ça repart vers l'avant.
Et c'est récupéré de nouveau pour les joueurs de Las Palmas en retrait. Ça revient devant leur surface de réparation. La bonne récupération encore tranquillement avec la prise de balle d'Aaron, le gardien remplaçant. Dégagement d'Aaron, c'est repris à gauche au milieu de terrain. Avec Rodriguez, la passe de Rodriguez en retrait, c'est redonné encore avec Marmol. La passe de Marmol pour Ikarta à gauche avec Cardona. La passe de Cardona pour Ramirez, il est bloqué par trois joueurs. Ballon dévié par Lamine, mais Ramirez récupère. La passe de Ramirez, l'une avec Marmol, c'est récupéré pour le Barça. Ça revient sur Firmin. Ballon dévié, c'est récupéré par Marmol. Ça repart à gauche au milieu de terrain encore une fois avec Rodriguez. Passe en retrait pour Cardona. Cardona est passé. Sur le côté devant Firmin, il y a un coup à faire, pourquoi pas. La passe en profondeur devant Inigo, c'est récupéré. Entrée de surface, le crochet sur Cancelo, passe latérale, la frappe, elle est déviée par Inigo. Et Ter Stegen récupère. Oh, attention. Attention, 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 attention. Attention. C'est-à-dire Marwan. Allez, le jeu repart. Non, ça va parce qu'on a cassé avant, clip de chômeur. On a tourné la vidéo à 21h. On a tourné à 21h, donc on avait déjà cassé. J'ai pas mangé, lui il a mangé. Je sais pas comment il a fait pour manger avant de faire ça. Allez, le jeu repart, récupération à droite du rond central. J'avais juste bu moi. Allez, ça repart avec Gundogan. La passe de Gundogan pour retrouver Sergi Roberto. Ça repart avec Kubarsi. La passe de Kubarsi pour Ikarta à gauche au 30 mètres avec Inigo Martinez. Allez, Inigo Martinez pour Cancelo à gauche de la surface. La passe de Cancelo pour retrouver de nouveau Sergi Roberto, passe latérale pour Gundogan. Le crochet de Gundogan, il passe pas. Récupération encore pour Las Palmas. La passe en retrait, ils arrivent à récupérer la balle. Ça va revenir vers l'avant et c'est récupéré à droite du rond central. Ballon récupéré par Gundogan. C'est récupéré par Inigo Martinez. La passe Inigo pour repartir avec Rafinha. Allez, Rafinha qui peut avancer à gauche de la surface. Rafinha, le centre fort. La reprise de Firmin, elle va passer à côté sans contrôle. Elle passe à côté, ça sort en 6 mètres. Le 6 mètres pour Las Palmas encore. Allez, Paris pour demain. Ah, demain les gars, demain c'est la bagarre hein. Demain c'est la bagarre, hors de question de perdre hein. Hors de question de perdre. Hors de question. Yannis, je peux avoir ton Paypal? Non, moi je mets jamais de Paypal, Salim. Je mets jamais de Paypal. Parce qu'il y en a, après ils font des litiges et tout. Moi je veux éviter ça en fait. Donc non, je mets pas. Allez, le jeu va repartir, le dégagement est joué. Allez. Ma femme elle m'a dit sorry mais 114 kilos c'est pas le double de 70 Yanis. Ouais bon à peu près, ça va, on a compris. Allez, passe en profondeur, elle est belle là. Pour retrouver Gundogan, ça casse une ligne. La passe, oh la passe elle était sublime mais c'est dévié. Et là il y a une semelle, ça va réclamer le carton rouge. Coco reste à terre, carton jaune pour Gundogan. Bon, après c'est quand il repose le pied hein. C'est quand il repose le pied, Gundogan prend le carton jaune. Il comprend pas parce que Gundogan centre. Et son pied quand il le repose, parce qu'il y a le tacle de Coco. Coco tacle, Gundogan centre, il dévie la balle. Et quand il repose son pied, ça tombe sur le pied de Coco. Ah, il peut rien là. Il y peut rien là les gars. Franchement, mettre des jaunes là-dessus, oui, il y a une semelle. Il y a une semelle, mais il y peut rien genre. Il y peut rien là Gundogan. Tu veux qu'il le mette où son pied? C'est pour ça que je comprends pas pourquoi on met des cartons sur ça là. En tout cas, jaune pour Gundogan. Après, il pouvait rien faire, hein. Il pouvait rien faire vraiment. Je pouvais rien faire là pour le coup. Donc je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Allez, le jeu est arrêté. Coco, bon par contre il a pris une vraie semelle. Coco reste à terre pour l'instant. Coco reste par terre pour l'instant. Il est en train de se faire soigner. Yannis Twitch quand? Je sais pas frère, deux fois j'ai annulé là. Vas-y, je suis inquiétant moi aussi. Je suis inquiétant. Mais j'avoue que là je voulais me reposer frérot. C'était le lendemain du combat de sumo. C'était le lendemain. J'étais mort. Les gars, hé hey. J'ai jamais eu autant de courbatures de ma vie sur tout le corps que depuis que j'ai fait le truc de sumo. Les gars, je vous jure, les courbatures de fou allié. J'étais courbaturé dans la nuque, les abdos, bon, bien caché, mais les cuisses. Les gars, je vous jure, ça travaille tout le corps. Ce sport est sous-côté. Hein. Je vous jure, carrément, ça m'a donné envie d'en faire en club. C'est impressionnant. Allez, le jeu repart pour le Barça avec Lewandowski, la passe de Lewandowski pour Ikarta encore avec Rafinha. Entrée de surface. Allez, Rafinha, le crochet, il garde bien la balle. Rafinha, il s'arrête totalement. Le crochet de Rafinha encore, il pousse sa balle dans la surface. Il va centrer en retrait, c'est dévié. Et c'est récupéré pour Las Palmas. Ça va être dégagé loin devant. C'est récupéré à gauche du rond central. Bonne prise de balle d'Inigo. Inigo pour Ikarta avec Cancelo. Le crochet de Cancelo. Allez, Cancelo, ça repart avec Gundogan devant le rond central. Allez, ça peut avancer Gundo tranquille. La passe de Gundo. En vrai, les gars, un autre sport qui pourrait être drôle avec Momo là. C'est quoi pour le prochain Classico? Allez, ballon piqué pour Lamine Yamal. Et ça va être capté par Aaron. Aaron récupère dans sa surface pour Las Palmas. En vrai, les gars. Un foot ça. Catch. Catch! Wow, incroyable! Ouais, mais catch, c'est fictif aussi. Ça qui est pas ouf. Le catch, c'est fictif.
boxe. Ouais, boxe on peut. Boxe on peut. Ouais, catch c'est nul. Ouais, ouais, catch c'est fictif. Bon, il y a faute, coup franc. Coup franc pour Las Palmas encore. Et c'est encore Gundogan qui met une semelle. Attention. Attention, karaté, c'est pas ouf, les gars. Karaté, c'est pas ouf. Les gars, je vous le dis, hein, le truc boxe, ça sera le final. Ça sera le final de notre périple de sport. Le boxe, ça sera le final. Ça sera le final. Donc, boxe pour l'instant. MMA. Bah, c'est pas, les gars, on finira par la boxe. Donc. Faudra trouver autre chose. Box, ça sera en dernier. Ça sera en dernier, le box. Allez. Le jeu va repartir. Le ballon a touché, joué. Le ballon est dévié. Nouvelle touche. Ça s'embrouille. Hein. Kyrian s'embrouille avec la mine Yamal. Il s'embrouille pour l'instant. Avec du public. Ouais, là, on fera un vrai truc, par contre. Public, tout. Rediffuser sur sa chaîne ou quoi. On fera un vrai truc. Allez, le jeu repart et ça va être récupéré pour Las Palmas encore devant le rond central. La passe en retrait, c'est dévié par Lewandowski. Et maintenant, il y a un 4 contre 3 joué pour le Barça. Lewand qui va lancer la mine Yamal en profondeur dans la surface côté droit. Lamine, il rentre dans la surface. Lamine encore et il se fait dévier. Il se fait dévier, corner. Ils sont pas d'accord. Les joueurs de Las Palmas, ils réclament le 6 mètres. Ils sont pas d'accord. Hein. Ils sont pas d'accord. En vrai, on peut faire plein de trucs. Ouais, grappling, on peut faire du grappling. On peut faire de la lutte. On peut faire de la lutte. Lutte sénégalaise s'il veut. On peut faire de l'escrime. L'escrime, les gars, je trouvais ça gaulerie, escrime. Escrime, moi, les gars, je trouve ça gaulerie en vrai. T'imagines, escrime. Un petit truc d'escrime. Tu pètes de rire, escrime. T'es fou, tu pètes de rire. Escrime, je pense, il y a moyen de taper des vrais bars en vrai. Il y a moyen de taper des vrais barres sur l'escrime. Allez, corner frappé pour le Barça. Ça va être dévié de la tête. Allez, c'est récupéré par Rafinha. La passe de Rafinha pour écarter avec Gundogan. Allez, Gundogan, la passe en retrait, c'est récupéré par Rafinha. Allez, Rafinha, ballon piqué de Rafinha dans la surface côté gauche. Déviation de la tête et ça va ressortir. Et il y a faute, coup franc. Coup franc récupéré encore une fois pour Las Palmas dans leur surface. Sinon, les gars, on peut faire plein de trucs. Karting et tout, on fera, foot, on fera. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est une revanche de sumo. De toute façon, je pense qu'à un moment, on mettra un sondage. Vous choisirez, les gars. À un moment, je pense qu'on mettra un sondage. On mettra un petit sondage. Mais c'est vrai qu'il y a moyen de faire plein de trucs, en vrai. Tu penses quoi? Tu penses quoi, Bayern défaite? Quoi, j'en pense quoi? Bah, ils ont perdu, tu veux que j'en pense quoi? Tu veux que j'en pense quoi, ma biche? Allez, le dégagement va être joué. Le dégagement va être joué, dégagement loin devant, dégagement lointain. Allez, c'est récupéré à gauche au milieu de terrain, bonne récupération. C'est récupéré de nouveau pour les joueurs de Las Palmas. Ça repart dans le rond central, ça va être récupéré pour le Barça devant le rond central. La bonne récupération encore et il y a faute sur Gundogan, coup franc. Le coup franc va être joué vite, ça repart avec Koundé. La passe de Koundé pour retrouver Rafinha. Rafinha pour Lamine Yamal. Lamine Yamal, c'est bien donné. Allez, c'est bien fait, ça va repartir avec Gundogan. Gundogan pour Koundé, Koundé pour retrouver Sergi Roberto qui resserre Koundé. La passe de Koundé pour Rafinha au 25 mètres. Rafinha dans l'axe, Rafinha il va frapper, mais c'est dévié, il y avait trois jambes devant lui. Et c'est récupéré par Aaron, ils sont tous très bas. Ils sont tous très bas. Allez, ça va être dégagé, ça va être dégagé. Allez, ça va être dégagé. Et c'est repris pour le Barça de nouveau devant le rond central. Allez, c'est reparti dans la surface avec Rafinha. Mais il va se faire tacler, c'est bien récupéré. La récupération encore de Koundé à droite au milieu de terrain. Les gars, on en reparle après de tout ça. Du sport, on en reparle après les gars, tranquille. On finit le Barça en détente. Allez, ça repart à droite de la surface, Lamine Yamal pour resservir Koundé. Allez, Koundé, la passe en retrait. C'est récupéré à droite du rond central. La passe latérale pour Inigo Martinez. Allez, Inigo qui peut avancer. Inigo balle au pied, la passe latérale d'Inigo pour repartir avec Joao Félix. Allez, Félix encore. La passe de Félix pour écarter à gauche de la surface avec Cancelo. Le crochet de Cancelo, c'est bien fait. La passe de Cancelo en retrait. C'est récupéré par Inigo Martinez. Allez, Inigo toujours. La passe d'Inigo, ça repart avec Joao Félix qui récupère. Allez, Félix encore, le crochet de Félix. Félix en train de surface. La passe en retrait de Félix pour retrouver Sergi Roberto. Ça repart avec Gundogan. La passe latérale de Gundogan pour Koundé. Allez, Koundé pour retrouver Gundogan. Allez, Gundogan qui récupère. Il arrive à conserver la balle dans l'axe de 40 mètres. La passe. Oh, elle était belle encore. Pff, ils sont tous derrière Las Palmas. Hein. Ils sont tous derrière. Mais il arrive à trouver des passes par contre. Ah ouais, Félix est rentré, pardon, à la place de Firmino Lopez. J'avais pas vu. Excusez-moi. C'est pour ça que tout le monde me disait Félix depuis tout à l'heure. J'avais pas vu, excusez-moi les gars. Allez, Félix est bel et bien rentré. Allez, le jeu repart pour Las Palmas. La touche qui va être jouée. Allez, touche jouée. C'est dégagé. Koubarsi, mauvaise passe en retrait. C'est rejoint Las Palmas. La frappe, l'arrêt Ter Stegen. Oh, l'erreur de Koubarsi.
passe qui a failli coûter cher. Et Marvin qui vient botter sur Ter Stegen. Il vient buter sur Ter Stegen. Énorme occasion. Énorme occasion. Maintenant, ça repart pour le Barça avec Félix à gauche au milieu de terrain. Allez, Félix, balle au pied entre deux joueurs. Le crochet de Félix, le ballon piqué dans la surface. Il est sublime pour Rafinha. La tête. Le voilà. Le voilà. L'ouverture du score pour le Barça. Signé Rafinha. Oh, et quelle passe de Félix. Mais quelle passe de Félix. C'est le grand point fort du Barça, c'est ça. C'est ça. C'est ça le grand point fort du Barça. C'est exactement ça, les gars. C'est ce que nous, on n'arrive pas à faire, mettre un ballon comme ça, c'est rare. Eux, ils ont vraiment des joueurs pour mettre des caviars, mais des caviars. La passe est exceptionnelle. Et Rafinha qui célèbre en faisant le signe de l'avare en plus. Hein. Mais la passe là, elle est exceptionnelle, les gars. Exceptionnelle. Roberto qui resserre Félix. Félix qui garde la balle à gauche aux 40 mètres. Il attend l'appel de Rafinha. Ballon piqué dans le dos de la défense. Rafinha met la tête derrière. La passe, elle est incroyable. La passe de Félix, mon Dieu qu'elle est belle. Mon Dieu qu'elle est belle. Incroyable. Incroyable, pleine lucarne. Pleine lucarne en plus et ça fait maintenant 1-0. 1-0 pour le Barça. 1-0 pour le Barça contre Las Palmas. Le Barça assure l'essentiel pour l'instant. Pas de blessure et la victoire. Pour l'instant, le Barça assure l'essentiel. Pour l'instant. Le Barça assure l'essentiel pour l'instant. Pour l'instant, ça le fait. But de Lyon. C'est vrai, Dylan, ou... On m'a dit que c'était pas vrai tout à l'heure. Allez, le jeu repart. Ça y est, le but est bien valable. Cette fois-ci, c'est validé. Et Las Palmas va devoir pousser. Par contre, les gars, je vous avais dit. Hein. Par contre, attends, est-ce qu'il y a un défi qui serait passé là? Les buteurs, pas de A dans le nom des buteurs. Ça serait pas passé, vu qu'il y a Rafinha qui marque. 5 buts pour l'instant, ça passe pas ce que vous avez choisi. Il y avait quoi d'autre, les gars? Il y avait quoi d'autre? Je sais pas, il y avait quoi d'autre? Deux pénaltys, ouais, ça serait pas passé. Pour l'instant. Et le dernier? Et le dernier, c'est quoi? Allez, ça repart pour le Barça à droite du rond central. Ouais, demain on fait le classico avec Momo, les gars, sur Winamax. Allez, ça repart à gauche du rond central. La passe latérale pour Félix. Allez, Félix qui récupère. Félix qui va écarter à gauche de la surface. Ça repart de nouveau derrière avec la bonne récupération de nouveau. Allez, ça repart avec Sergi Roberto. La passe de Roberto pour écarter à gauche du rond central avec Inigo Martinez. La passe d'Inigo. Allez, c'est récupéré de nouveau. De quoi j'ai oublié? J'ai marqué, les gars. Allez, ça repart de nouveau avec ce ballon qui est repris de nouveau à droite du rond central. T'as oublié le but, frère? Comment ça, j'ai oublié le but? Ah ouais, doublé d'un remplaçant, c'est vrai. C'est vrai, bien vu. Doublé d'un remplaçant. Allez, touche pour Las Palmas devant leur surface de réparation. La touche pour Las Palmas. Les gars, je l'ai mis. Je l'ai mis le but, à mon avis. Il y en a, vous êtes en retard sur le live, je pense. Il y en a, vous êtes en retard sur le live. Allez, le jeu va pouvoir repartir maintenant. Le jeu va pouvoir repartir en grande détente. Et ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup pour l'instant. Mais la passe de Félix, la passe de malade. Allez, ça repart, c'est récupéré par Koundé à droite du rond central. Allez, Koundé balle au pied. Allez, Koundé qui récupère la passe de Koundé, il va écarter de nouveau dans le rond central. La bonne récupération, ça repart à gauche du rond central avec Cancelo qui va écarter avec Félix à gauche de la surface. Allez, Félix balle au pied. Félix, les passements de jambes. Félix encore, le crochet de Félix. Ça va être récupéré en train de surface. Et c'est repris pour Las Palmas. Et attention, et faute de Roberto. Faute d'anti-jeu, il va prendre le jaune, c'est normal. Il a retenu par le callback. Aucun serait passé, je pense. Ouais, là, pour l'instant, ouais. T'inquiète, FC Fraud, ça arrive. Ça arrive. Allez, le jeu va être dégagé pour Las Palmas. Pour l'instant, le Barça fait l'essentiel. Il gagne, pas de blessés. Prochain match contre Paris pour le Barça. Prochain match contre Paris. C'est chaud. Allez, ça repart. De nouveau pour Las Palmas à droite au milieu de terrain. Le ballon qui est bien récupéré encore une fois sur le côté droit avec Munoz. Le ballon piqué pour écarter à droite du rond central. La remise pour Munoz, c'est bien fait à droite au milieu de terrain. La passe de Munoz pour Ramirez, c'est dévié mais Ramirez reprend. Il pousse sa balle devant Inigo. Inigo tombe et ça fait tomber Ramirez. Et il va y avoir coup franc. Le coup franc pour Las Palmas, carton jaune pour Inigo Martinez. Et attention à ce coup franc à droite de la surface. Attention à ce coup franc à droite de la surface maintenant. Attention à ce coup franc. Et merci mon frérot Ilan pour le don de 6 euros, je crois.
Merci Ilan, j'avais raté un don, merci Ilan. Et merci beaucoup, tac, pour le don de 5 euros. Il y a kayak en été, lutte, judo, escalade, boxe, karting, bowling, tir à l'arc. Et pour PSG Barça, tout va se jouer sur comment le Barça bloquera Mbappé. Merci beaucoup, tac, pour le don de 5 euros. Mais là, on veut le sport que vous, vous voulez, on veut le sport du peuple, là, pour le deuxième. Allez, le coup franc, il est frappé, au point de pénalty. La tête, ça va passer au-dessus et ça va sortir en 6 mètres. Merci beaucoup, tac, hein. Merci beaucoup, tac, frérot. Allez, 6 mètres, 6 mètres, pas de soucis. Là, on veut le sport du peuple, les gars. C'est ça qu'on veut sur l'affrontement. Un petit truc foot, les gars, je l'éteins. Allez, ballon piqué. Allez, ça va être récupéré par Cancelo dans l'axe aux 30 mètres. Allez, Cancelo qui récupère. Allez, Cancelo toujours. Le ballon va être dévié. C'est récupéré de nouveau pour les joueurs de Las Palmas avec un dégagement. Mais il y a un joueur qui reste à terre. Encore une fois, le jeu va être arrêté. Le match est quand même très bizarre. Classement, tiens. Le match est quand même très bizarre, les gars. Ouais, le match est quand même très spécial là pour le coup. Félix y a mis un coup de coude ou je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est là que tu vois la force du Barça. La force du Barça, c'est que si tu viens avec un bloc très bas, ils savent la dynamité, ils savent trouver la passe qui va te déconcentrer à un moment où tu ne seras pas concentré. Ils vont trouver la passe. Ils ont des joueurs capables de mettre des ballons incroyablement millimétrés. C'est ça leur grosse force. Leur faiblesse, c'est l'espace qu'ils laissent dans le dos. Ils laissent de l'espace dans leur dos, c'est ça leur gros point faible. Allez, ça repart déjà pour le Barça, mais c'est récupéré pour Las Palmas. Et il y a hors-jeu. Le drapeau se lève, position de hors-jeu. On voyait des ralentis pour l'instant. Allez, ça repart. Long dégagement. Et ça va être récupéré de nouveau pour le Barça. À gauche au milieu de terrain avec Inigo Martinez. La remise d'Inigo, on laisse passer magnifiquement pour Félix. À gauche de la surface. Allez, Félix, toujours la passe de Félix qui repart de nouveau avec Roberto. La passe de Roberto pour Gundogan. Allez, Gundogan qui va écarter latéralement avec Koundé. Entrée de surface. Passe latérale de Koundé. C'est récupéré de nouveau par Lamine Yamal qui resserre Koundé. La passe de Koundé pour Gundogan dans l'axe aux 30 mètres. Gundogan encore. Allez, Gundogan, ça va repartir vers l'avant. Et c'est récupéré de nouveau par Sergi Roberto. La passe de Roberto pour repartir avec Koubarsi. La passe de Koubarsi pour Koundé. Entrée de surface. Koundé encore entrée de surface entre deux joueurs. La passe à Lamine Yamal, le crochet passe pas, il était trop enfermé. Et c'est récupéré pour Las Palmas. Ça va avancer avec Loadis. La passe de Loadis en retrait, le ballon qui est remis à Loadis. Mais ça sort, c'est mal fait, touche. La touche pour le Barça à droite au milieu de terrain. Mon problème est que comment déjouer la défense à 5 de Simeone en LDC. Ah, pour l'instant c'est le Barça, frérot, hein. Je pense pas à Simeone, hein. Je pense pas à Simeone, faut respecter le Barça. Par contre on n'est pas qualifié, on n'est pas en demi, hein. On n'est pas en demi. Et l'Atletico n'est pas en demi non plus. Là, les gars, doucement. Les gars, moi, je le répète, hein, PSG-Barça, c'est du 50-50 pour moi. Je suis confiant, mais je sais qu'on peut perdre. Comme le Barça, en fait. Ils sont confiants, mais ils savent qu'ils peuvent perdre. Pour moi, c'est littéralement, allez, du 52-48 pour Paris, à la limite. Mais pour moi, c'est vraiment du 50-50, ce match-là. Je regarde, je vois les qualités et les faiblesses du Barça. Ils ont des points forts, c'est nos faiblesses. On a des points forts, c'est leurs faiblesses. Allez, le jeu repart. Ballon récupéré par Roberto. Encore la passe de Roberto pour écarter Koundé à droite aux 40 mètres. Paintball, c'est vrai que ce serait marrant. Allez, ça repart. Allez, ballon récupéré par Koundé encore à droite aux 40 mètres. La passe de pour Rafinha qui resserre Koundé. Ça repart devant le rond central avec Roberto. La passe de Roberto pour Koubarsi. Allez, ça repart à droite aux 30 mètres. C'est récupéré de nouveau par Lamine Yamal qui récupère. Lamine Yamal le crochet. Lamine Yamal passe en retrait encore une fois. Ça va être récupéré par les joueurs de Las Palmas. Ça revient devant leur surface de réparation. Ballon dévié. C'est récupéré de nouveau à droite du rond central. Allez, bonne récupération encore pour les joueurs du Barça. Il n'y a pas de faute avec Rafinha qui reprend. Entrée de surface. Rafinha la passe en retrait. Entrée de surface pour jouer au Félix. Plein axe. La passe pour retrouver Gundogan au 25 mètres dans l'axe. Le crochet de Gundogan entre deux joueurs. Il est passé. Mais un troisième vient dévier la balle. Et c'est récupéré pour Las Palmas devant leur surface. Allez, la passe en profondeur. C'est bien écarté côté gauche. La passe en retrait. Et la poussée de balle derrière de la part de Loadis. Ça va pas sortir. Il y a un coup à faire pour Las Palmas. Mais la passe de Loadis pour Ramirez. Elle est mal donnée. Koundé était bien devant et ça repart derrière avec Ter Stegen qui récupère. Allez, Ter Stegen qui reprend. La passe de Ter Stegen qui repart de nouveau avec ce ballon qui est récupéré par Sergi Roberto. La passe de Roberto pour Rafinha. Allez, Rafinha, il va repartir à droite du rond central. La bonne récupération pour repartir de nouveau avec la prise de balle de la part de Gundogan. Gundogan pour écarter dans le rond central avec Sergi Roberto encore. Allez, Roberto qui avance, il va écarter à gauche aux 30 mètres avec la bonne récupération de Cancelo. Cancelo pour Roberto, Roberto pour Félix. Allez, Joao Félix encore, il garde bien la balle.
La passe de Félix, ça repart avec Gundogan. La passe latérale de Gundogan, c'est récupéré de nouveau par Koundé. La passe de Koundé pour écarter de nouveau avec Lamine Yamal. Lamine Yamal pour Koundé, ballon piqué de Koundé. Ça va être dévié et c'est récupéré encore une fois avec cette bonne prise de balle de Cardona. Allez Cardona à gauche de sa surface. Cardona qui est passé devant Lamine Yamal. La passe de Cardona pour écarter à gauche du rond central. Allez, c'est bien récupéré, la passe vers l'avant, elle va être déviée. C'est repris par Lamine Yamal. Le 1-2 qui est fait, Lamine Yamal qui resserre de nouveau Sergi Roberto. À droite du rond central, la passe de Roberto. Ça va être dévié, ça revient sur Rafinha. La passe de Rafinha va être déviée. Et ça revient encore sur Félix. Félix dans la surface. Il se fait tacler par derrière. Il récupère la balle sans faire de faute. Mais il y avait faute avant. Coup franc pour Las Palmas dans leur surface de réparation. Coup franc pour Las Palmas. Eh oui, Max, pas besoin de ça spammer. C'est déjà sorti. Hein. Le Grassico est sorti. Disponible sur la chaîne de Mohamed Elie. Disponible là-bas. En mode magnifique. Allez, le jeu va repartir. Le jeu va repartir en détente. Le jeu va repartir en grande détente. Allez, le jeu repart, le dégagement s'est joué. Ça repart à gauche au milieu de terrain et c'est récupéré à gauche au 30 mètres maintenant avec Ramirez. Allez, Ramirez qui récupère. La passe de Ramirez pour Ekerta à gauche au 25 mètres. Ça repart à gauche du rond central. Allez, c'est bien fait. Ça repart encore vers l'avant. La bonne récupération encore. La passe latérale pour Ekerta à gauche au milieu de terrain. Le crochet entre deux joueurs. La passe en retrait, ça revient devant leur surface de réparation. La bonne récupération encore du gardien. Ça va être dégagé loin devant par Aaron. C'est repris de la tête par Koundé et c'est repris par Kubarsi. Mais dans tous les cas, il y a une position de hors-jeu et coup franc pour le Barça dans leur moitié de terrain. Coup franc pour le Barça sur ce hors-jeu. Et Ferran Torres va rentrer. L'entrée de Ferran Torres, c'est son premier match depuis son retour de blessure, non? C'est son premier match là. Effrayant Marouane. Ouais, bah c'est bien ça. Et bah le retour de Ferran Torres, lui qui fait une belle saison. Franchement, lui qui fait une belle saison là. Il faisait une belle saison avec le Barça, solide. Il répondait présent quand Lewandowski ne répondait pas présent. Il a mis des buts très importants, sortie de Lamine Yamal. Ça prend pas de risque. Ça prend pas de risque. Lamine Yamal sort. Lamine Yamal qui sort. Il aura eu du bon, du moins bon Lamine Yamal aujourd'hui. Mais tu sens que sur ses dribbles, c'est très dangereux. Tu sens qu'il est dangereux sur ses dribbles. Il est très dangereux. Ouais, Aziol, il y a un angle qui ne montre pas. Mais j'en parle après quand tout le monde aura vu. Il y a un angle qui montre pas. On l'a vu après. Allez, Loadis sort également l'entrée de Molero pour Las Palmas. Entrée de Molero à la place de Loadis. Molero qui rentre. Loadis cède sa place. Est-ce qu'ils vont réussir à égaliser? Bonne question. Après, à 10, ça va échouer. Campagna remplace Munoz. Campagna remplace Munoz. Après, ils font pas un match dégueulasse, Las Palmas. Mais je vous ai dit que c'est jamais simple. Hein. Las Palmas, c'est pas simple contre les gros. Allez, ça repart en tout cas pour le Barça avec Cancelo à gauche de la surface. Allez, Cancelo, balle au pied. La passe de Cancelo, il va écarter à gauche du rond central. C'est bien récupéré de nouveau à droite du rond central maintenant. Avec la bonne prise de balle de la part de Kubarsi. Allez, Kubarsi encore qui récupère. Allez, Kubarsi va écarter à droite au milieu de terrain. Les gars, il manque un abonné pour les 1 123 000 abonnés. Celui qui s'abonne, c'est le 1 123 000ème tout pile. Merci à vous. Allez, ça repart latéralement. Le ballon qui est récupéré à droite du rond central. C'est bien récupéré, nouveau avec Inigo Martinez. La passe d'Inigo pour écarter de nouveau avec la prise de balle de Cancelo. Cancelo pour écarter avec Félix. Allez, Félix, balle au pied qui récupère. Félix, il peut avancer tranquillement. La passe de Félix pour écarter avec Cancelo. Allez, Cancelo, balle au pied, la pièce de colle. La passe de Cancelo pour écarter à droite du rond central. C'est récupéré par Koundé. La passe de Koundé pour écarter à droite de la surface. La passe vers l'avant, ça va être dévié. C'est récupéré de nouveau. Et ça repart pour les joueurs de Las Palmas à gauche de leur surface de réparation. Allez, la passe latérale. C'est récupéré de nouveau dans leur moitié de terrain côté gauche tranquillement avec ce ballon qui est redonné à Marmol. Le ballon piqué pour Ramirez, c'est repris pour le Barça au milieu de terrain. Ils ont du mal à avancer. Allez, ça repart latéralement. Le ballon qui est récupéré par Félix devant le rond central. La passe de Félix dans la surface, c'est les belles pour Ferran Torres. La frappe et la parade. Ferran récupère encore dans la surface, il va centrer, c'est dévié. C'est récupéré pour Las Palmas, mais le drapeau se lève, il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu. Belle frappe de Ferran, hein, bien puissante. Mais Aaron fait une belle parade. Aaron fait une belle parade. Belle parade là pour le coup. Belle parade pour le coup. Vraiment une belle parade. Et il y avait hors-jeu dans tous les cas. Il y avait hors-jeu dans tous les cas, les gars. Quoi qu'il arrive, il y avait hors-jeu. Il y avait bien hors-jeu. Allez, le jeu va repartir. Le dégagement va pouvoir être joué, du coup.
Le dégagement va être joué. Allez, c'est joué ce dégagement. Ça va être dévié de la tête. Et ça va être récupéré de nouveau à droite du rond central. Bonne récupération de Sergi Roberto. La passe de Roberto en retrait. La récupération avec Ter Stegen qui récupère. La passe de Ter Stegen qui va écarter nouveau et Cancelo qui reprend. Non, City Arsenal, je peux pas. Demain, je suis sur la route de Paris pour Winamax. Pour commenter le classico avec Momo Eni. Donc demain, je peux pas commenter City Arsenal. Je peux pas, malheureusement, je serai en vroom vroom. Je serai en vroom vroom. C'est dommage. Allez, la relance. Allez, c'est joué, ça repart de nouveau pour les joueurs de Las Palmas. La passe latérale, c'est bien fait. Allez, ça va être écarté latéralement, mais c'est récupéré pour le Barça. Devant le rond central, la passe de Lewandowski pour Gundogan dans l'axe. La passe de Gundogan, oh, c'est dommage, il a raté sa passe. Il a raté sa passe, Gundogan, il y avait Ferran qui partait seul. Ouais, là c'est chaud. Là c'est chaud. Là c'est chaud. Allez, le dégagement va être joué. Il reste 15 minutes, hein. Attention le Barça quand même. Attention, attention quand même. Ouais, peut-être Niro, ça dépend, ça dépend, ça dépend. En tout cas, les gars, les stats, s'il te plaît. Je rappelle, les mecs, hein, que demain, je suis sur la chaîne YouTube de Winamax avec Momo Eni pour commenter le Classico. Et je rappelle qu'il y a un bras de fer qui doit avoir lieu. Le perdant de ce bras de fer va devoir payer une PS5. Après, il faut voir si on est dans les bonnes conditions pour le faire. Parce que les trucs là-bas, c'est pas stable. Donc, mais en tout cas, le perdant offre une place. Allez, le jeu repart pour le Barça. Allez, ça va être récupéré de nouveau par Joao Félix. La passe de Félix pour Cancelo. Allez, Cancelo qui resserre Félix. Allez, c'est bien fait. La passe de Félix qui va repartir à gauche du rond central avec Inigo Martinez. Allez, Inigo toujours, il peut avancer. La passe d'Inigo Martinez, ça va repartir de nouveau avec la bonne prise de balle de la part de Cancelo. Allez, Cancelo le crochet. Cancelo entrée de surface, il va centrer. Ça va être récupéré pour les joueurs de Las Palmas et ça peut avancer à droite du rond central. Ça avance tranquillement. Il garde bien la balle. La passe en profondeur, elle est belle pour Ramirez. Elle est un peu trop profonde, un peu trop excentrée. Ça excentre Ramirez, mais il récupère quand même à gauche aux 40 mètres. Il s'arrête, il attend que ses joueurs arrivent. Allez, ça repart à gauche au milieu de terrain. Ça peut avancer tranquillement devant Gundogan. Le 1-2 qui est fait devant Koundé maintenant. Ça repart à gauche de la surface du Barça. Il garde bien la balle Cardona et le ballon va être dévié. Et touche maintenant. Touche pour Las Palmas devant la surface barcelonaise. Ouais, bah rappelez-lui demain qu'il vous en doit une de Play 5 à Momo. Rappelez-lui demain. Allez, touche qui va être jouée. Non, non, j'espère pas que Skriniar sera titulaire face au Barça. J'espère pas. Tu vas faire une vidéo analyse pendant avant PSG Barça. Ouais, je pense. Et je pense que j'inviterai... attention, le centre, c'est capté par Ter Stegen. Les gars, pour l'avant-match PSG-Barça, si j'invite Loguito et Massian, ça vous intéresse? Pour le live, hein, le live pendant l'avant-match, une heure, enfin deux heures avant le match, là. Loguito, Massian, ça vous intéresse? On fait un petit avant-match à 3 avant que le match commence? Oui, invite-les. Non, invite-moi, c'est mieux. Ouais, c'est serré. Bah, je pense, en vrai, je pense. Hein. Je pense que ça va être intéressant, les gars, franchement. Je pense que ça va être intéressant. On verra, les gars, on verra, franchement, on verra. On verra comment on fera, mais il y a un monde où ils viennent. Il y a un monde. En tout cas, ils sont les bienvenus, ils savent. Ils sont les bienvenus. Allez, le jeu repart. Le ballon va être reparti pour le Barça avec Rafinha dans la surface côté droit. Rafinha passe en retrait. C'est dévié devant Ferran. C'est dévié devant Ferran et ça va être dégagé loin devant et c'est récupéré par Inigo Martinez. La passe en retrait d'Inigo, c'est récupéré nouveau dans leur moitié de terrain avec ce ballon qui est récupéré par Ter Stegen. La passe de Ter Stegen pour Sergi Roberto, ça repart avec Félix qui récupère. La passe de Félix pour écarter à gauche de la surface, c'est bien donné de nouveau avec ce ballon qui est récupéré. Encore une fois avec Cancelo, la passe de Cancelo pour Félix, Félix qui avance, la passe de Félix pour Cancelo. Allez Cancelo, toujours la passe de Cancelo, c'est récupéré de nouveau. Avec Ferran Torres, le ballon piqué de Ferran pour écarter Koundé à droite de la surface. La passe de Koundé entrée de surface pour Gundogan. Gundogan qui resserre Koundé. Le centre fort pour Félix. Oh là, la barre. Oh, comment il rate ça, Félix. Oh, c'est incroyable. On le rate tête détraquée. Oh, je vous le mets sur Insta. Oh, je vous le mets sur Insta. On se rate de fou. Oh, le raté de fou. Oh, le raté de fou. Il avait plus qu'à la pousser. Il frappe la barre. Oh. Comment il rate ça, Félix? Comment il rate ça? Déjà, il n'y a pas hors-jeu de Koundé. Et il n'y a pas hors-jeu de Félix. Il n'y avait absolument pas hors-jeu. Il n'a plus qu'à la pousser, les gars. Il frappe sur la barre aux 6 mètres. Oh, c'est impressionnant. Oh, le raté de malade. Oh, le raté de malade de Félix. Oh, je vous l'ai mis sur Insta, les gars, l'immigré parisien. Enfin, immigré parisien. Je vous l'ai mis sur Insta, les gars. Oh, c'est chose qui vient de rater. C'est chose qui vient de rater. Oh là là. Oh là là. Et sortie de Cardona, entrée de Benito.
Entrée de Benito à la place de Cardona. Entrée de Benito et l'entrée de Marc à la place de Ramirez. Allez, le jeu repart en tout cas pour le Barça. Le jeu repart pour le Barça avec un ballon piqué dans la surface côté gauche, c'est dévié. Et c'est récupéré pour Las Palmas, mais redévié. Levan reprend dans la surface. Je crois qu'il est hors jeu. Pour l'instant, ça joue. Levan dans la surface côté gauche, il se retourne. Et il y a bien hors jeu. Il y a bien hors jeu. Il y a bel et bien hors jeu. Ramirez cède sa place également. L'entrée de Marc. Les 5 changements sont faits. Les 5 changements sont faits. Les 5 changements sont faits. Il reste 10 minutes à jouer. RDT, ouais les gars, faites attention, changement d'heure cette nuit. Changement d'heure cette nuit. Faites attention tout court, mais faites attention ceux qui gênent aussi. Du coup, ça change aussi les heures de jeûne. Donc attention à vous les gars. Attention à vous, au cas où s'il y en a qui sont pas au courant ou qui ont oublié. Changement d'heure ce soir pour tout le monde. Et pour ceux qui jeûnent, ça change. Moi, je mangeais à 5h, jusqu'à 5h10. Là, ça va être 6h10. Et le soir, on mangeait à 19h23. Ça sera 20h24 demain. Ça change tout d'une heure. Allez, le jeu repart, récupération de Koundé à droite du rond central. Allez, Koundé qui peut avancer. Koundé balle au pied. La passe de Koundé pour retrouver Rafinha, entrée de surface. L'enroulé de Rafinha, elle va passer au-dessus. 6 mètres pour Las Palmas. 6 mètres pour Las Palmas. 6 mètres pour Las Palmas. Non, on perd une heure, on perd une heure. Demain, c'est une journée de 23h. Pas de 24. On perd une heure demain. On perd une heure. Allez, l'entrée d'Oriol Romeu et l'entrée de Vitor Roque. Entrée d'Oriol Romeu. Romeu qui sort. La sortie de Sergi Roberto, l'entrée de Romeu à sa place. Et Lewandowski va céder sa place pour retrouver pour l'entrée de Vitor Roque. Vitor Roque va rentrer à la place de Levan. Vitor Roque qui rentre à la place de Levan en détente. Changement barcelonais. Bah, ils ont fait leurs 5 changements aussi là. Non, 4. 4 changements pour le Barça. Les 5 ont été faits là côté Las Palmas. Les 5 ont été faits côté Las Palmas. Les 5 sont faits. Et là, c'est Lewandowski qui sort. Lewandowski qui sort. Lewandowski cède sa place. Et l'entrée de Vitor Roque, ça y est. Le changement est fait. Allez, ça va pouvoir repartir maintenant. Dégagement joué. La récupération à gauche du rond central. Allez, ça repart pour Las Palmas. Attention à ne pas prendre deux buts. Il reste 10 minutes. Sait-on jamais pour le Barça. Sait-on jamais. C'est pour quand le classique gros. Il est sorti sur la chaîne de Mohamed Denis, les gars. Il est sorti. Allez, le dégagement loin devant. Et Lewandowski prend le jaune parce qu'il a mis du temps. Il a mis du temps à sortir. Il sera suspendu pour le prochain match. Putain, mais il est con. Il sera suspendu pour le prochain match, les gars, Lewandowski. Qu'est-ce qu'il est con. Qu'est-ce qu'il est con. Il a mis du temps à sortir. Jaune, il est suspendu. Allez, le jeu repart. Le ballon récupéré par Inigo Martinez. Allez, Inigo qui repart à gauche au 25 mètres et c'est récupéré par Cancelo. La passe de QI. Ah non, vraiment, là, il est con. Vraiment, pour le coup, là, il est con. Allez, ça repart devant le rond central, récupération de la part de João Félix. Allez, Félix, balle au pied qui peut avancer. Félix entrée de surface, la passe latérale de Félix pour Cancelo. Cancelo pour écarter avec Félix encore. Félix dans la surface, le crochet de Félix. Le centre, il va être dévié, mais Félix reprend, il va récupérer le corner. Il va récupérer le corner quand même. Il sera là contre le PSG. Ouais, ouais, c'est suspendu en Liga, les gars, suspendu en Liga. Suspendu en Liga, il sera là. Il sera là, il sera là. Allez, le jeu va être dégagé. Le jeu va être le ballon va être dégagé tranquillement. Le jeu va pouvoir repartir. Mais le corner va être frappé. L'occasion, pourquoi pas. L'occasion, pourquoi pas. Allez, on va voir. Pourquoi pas laisser jouer à deux ce corner. C'est joué à deux. Allez, ça repart à gauche de la surface, c'est bien fait. Allez, ça va revenir au 25 mètres dans l'axe. Bonne récupération de Gundogan. Gundogan pour repartir encore avec Cancelo. Il frappe aux 30 mètres, mais ça s'envole. Et 6 mètres. 6 mètres, pas de danger là-dessus. Pas de danger là-dessus. Pas de danger là-dessus. Allez, c'est mieux. C'est le Real, non. De quoi c'est le Real, c'est Real. C'est le Real le prochain? Non. Ah non. Non, non, frérot. T'as un match avant le Real, t'es fou quoi. T'as Cadiz, t'as Cadiz. T'as Cadiz avant. Lewandowski sera suspendu contre Cadiz. Ah, après, peut-être que c'était volontaire, les gars, non? Pour pas prendre le risque d'être suspendu contre le Real, en vrai. Ah, je pense que c'est volontaire. Je pense que c'est volontaire, les gars. Je pense que c'est volontaire, du coup. Je pense que c'est volontaire, les gars.
À mon avis, Xavi a dû lui dire essaye de prendre un jaune, comme ça t'es suspendu Cadiz et t'es pas suspendu après contre le Real. Je pense que c'est volontaire. Masterclass, le combat de sumo, merci Youyou. Si vous avez kiffé, c'est l'essentiel les gars, nous on a kiffé franchement. Allez, le jeu repart. Ballon récupéré pour le Barça encore. Allez, bonne prise de balle à droite au milieu de terrain. Ça repart dans le rond central. Et c'est récupéré par Oriol Romeu. Allez, Romeu qui peut avancer. La passe de Romeu pour écarter à gauche du rond central. Ça va être écarté à gauche de la surface. Bonne récupération de la part de Cancelo. Allez, Cancelo toujours. La passe de Cancelo latérale. Ça repart avec Gundogan. La passe de Gundogan en retrait. C'est récupéré de nouveau. À droite du rond central. Bonne prise de balle de la part de Kubarsi. Allez, Kubarsi toujours. Il garde bien la balle, Kubarsi, tranquillement. Non, je pense qu'il est juste bête. Non, non, je pense que là, pour le coup, non. Je pense que c'est calculé. Donc là, les gars, il a un gros QI, ça va. Même si j'aurais préféré le voir avec un gros cul tout court. Un gros quoi. Oula. On va faire comme si de rien les gars. Allez, le jeu repart. Le ballon qui est récupéré. Le ballon qui est récupéré pour Las Palmas. Et c'est repris par Romeu à gauche au milieu de terrain. Ça va, je rigole les gars. C'est une blague. On rigole, tranquille. On rigole. Allez, récupération de Félix à gauche au milieu de terrain. Allez, Félix balle au pied. La passe de Félix latérale. C'est effrayant, Niros. Ça repart à droite du rond central. La passe de Kubarsi, il était belle, mais c'est dévié par la défense de Las Palmas. Il reste 5 minutes à jouer. Et là, il y a un ballon en profondeur. Il va être récupéré par Kubarsi qui tacle et touche pour Las Palmas à gauche au milieu de terrain. Allez, touche pour Las Palmas qui va être joué. La touche pour Las Palmas qui va être jouée. Ouais. La touche qui va avoir lieu tranquillement. La touche qui va être jouée tranquille. Pour la... Et attention les gars, à tout moment ils arrivent à... À tout moment ils arrivent les gars à aller chercher l'égalisation. Yanis a cassé son ramadan. Frérot, tu sais qu'il y a une heure après pour manger. Le ramadan, c'est pas t'arrêtes de manger et boire pendant un mois. On a mangé à 19h23 chez moi. Allez, le jeu repart. Le ballon qui est récupéré nouveau par Ter Stegen et ça va être dégagé loin devant. Allez, ça va être rendu à Las Palmas dans leur moitié de terrain. La bonne récupération tranquillement. Allez, ils arrivent à conserver la balle et ça repart derrière avec ce ballon qui est repris de nouveau par Vales. Allez, Vales, la passe vers l'avant. C'est récupéré latéralement côté droit avec Suarez. La passe de Suarez vers l'avant, c'est bien donné. Allez, c'est récupéré à droite au milieu de terrain encore avec Marvin. Marvin le crochet, ça passe, ça peut avancer encore avec Marc contre surface. Marc toujours, il rentre dans la surface bloquée par deux joueurs côté droit. Il s'arrête Marc, il temporise, il repart au 25 mètres. La frappe elle est horrible et c'est récupéré par Kubarsi carrément sans problème. Ça revient sur Romeu, Romeu qui se dégage comme il peut. Et c'est rendu à Las Palmas, le dégagement de Romeu. Oh, le dégagement de Romeu. Allez, ça repart à gauche au milieu de terrain pour Las Palmas et ça revient derrière. C'est récupéré par Vales, le gardien de Las Palmas. Allez, Vales qui reprend. La passe de Vales, ça revient encore dans sa moitié de terrain. La passe latérale, c'est récupéré encore une fois avec Campagna. La passe de Campagna en retrait devant sa surface avec Marmol. Marmol qui peut avancer. La passe de Marmol pour écarter à droite du rond central maintenant. Ils vont écarter à droite au milieu de terrain, c'est bien donné. Ça peut avancer à droite au 25 mètres, c'est récupéré de nouveau par Marvin. La passe de Marvin en retrait. La récupération en trait de surface. Ça rentre dans la surface, le crochet est passé. La frappe. Oh, c'est le petit filet, je l'ai vu dedans. J'étais à deux doigts de mettre l'alerte. La frappe de Molero. Ter Stegen était battu. Et ça vient toucher le petit filet. Oh là 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 là. Oh, quelle occasion. Quelle occasion pour Las Palmas. Quelle occasion pour Molero. Quelle occasion. Molero qui rentre bien dans la surface côté gauche. Crochet sur Romeu. Frappe dans un angle fermé. Ça passe dans le petit filet. Oh, je l'ai vu dedans. Je l'ai vu dedans, franchement. Je l'ai vraiment vu dedans. Ter Stegen était totalement battu. Et c'est Romeu qui s'est fait soulever, mais d'une force, les gars. Il s'est fait éteindre, Romeu. Il s'est fait éteindre. Vales, pardon. Je suis un fou, moi. Ter Stegen, pardon. Excusez-moi, les gars. Excusez-moi. Un combat de cash déguisé en Majin Buu, tous les deux, frère. Allez, carton jaune pour Cancelo. Lui aussi suspendu, les gars. Lui aussi suspendu pour le prochain match. Voilà, c'est fait exprès les gars, ils veulent être là pour le Real.
Ils veulent être là pour le Real, c'est fait exprès les gars, cherchez pas. Cherchez pas. Ils vont rater le match contre Cadiz du coup. Lewandowski et Cancelo pas là contre Cadiz. Les deux. Alonso à gauche. Non, Alonso est blessé aussi, à moins qu'il soit revenu, mais je sais pas qui vont mettre à gauche du coup, vu que Baldé est blessé. C'est vrai, tu vas mettre qui à gauche? Allez, ça repart en tout cas pour le Barça. Avec la bonne prise de balle de Vitor Roque à gauche au milieu de terrain, qui repart avec Cancelo. La passe de Cancelo pour Romeu. Romeu qui repart. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a Hector Fort, c'est vrai. Allez, ça revient à droite du rond central. En plus, il est bon, pourquoi il joue plus beaucoup là? Allez, ça repart à gauche du rond central. La bonne récupération encore de la part d'Inigo Martinez. Allez, Inigo qui avance. La passe d'Inigo pour Cancelo à gauche au milieu de terrain. Cancelo toujours. La passe en retrait de Cancelo, c'est récupéré de nouveau. Avec Kubarsi à droite du rond central. Allez, Kubarsi, encore la passe de Kubarsi. C'est récupéré par Gundogan. Gundogan encore, la passe de Gundogan. C'est bien donné pour Ikarta à droite aux 30 mètres. C'est bien récupéré par Rafinha. La passe vers l'avant, c'est récupéré par Koundé. Koundé qui resserre Rafinha à droite aux 30 mètres. Ça repart derrière avec Gundogan. Allez, ça garde la balle. Il reste une minute, on verra le temps additionnel après. Allez, Gundogan, il garde le ballon tranquillement à droite du rond central. La passe de Gundogan pour repartir de nouveau avec Kubarsi. La passe de Kubarsi. C'est repris à gauche du rond central. Ça repart de nouveau avec Cancelo qui reprend. Allez, Cancelo balle au pied. La passe latérale de Cancelo pour Oriol Romeu. Romeu encore, la passe de Romeu pour repartir de nouveau avec Félix. Allez, Félix qui arrive à se retourner. Allez, Félix, il arrive à bien conserver la balle. La passe de Félix pour Romeu. Romeu toujours. Romeu entre trois joueurs. La passe de Romeu. Ça va être dévié. C'est récupéré pour les joueurs de Las Palmas. Mais Romeu reprend. Double contact de Romeu. Pardona, ça repart à droite aux 40 mètres encore avec Rafinha. Rafinha pour Gundogan, il repart à droite du rond central avec Koundé. Allez, Koundé toujours. La passe de Koundé, il va revenir à gauche du rond central. Et ça va être récupéré encore avec Inigo Martinez. Ouais, but de United, bien vu. Inigo Martinez qui resserre Cancelo à gauche au milieu de terrain. Il garde la balle, hein. Il garde la balle pour l'instant le Barça, ils veulent juste pas la perdre. Allez, ça repart dans le rond central. C'est récupéré de nouveau avec la bonne prise de balle de Gundogan. Gundogan pour Ikarta avec Koundé. Koundé pour Gundogan à droite du rond central. Allez, Gundogan, il peut avancer. La passe de Gundogan pour Oriol Romeu. La passe de Romeu pour Ikarta à gauche du rond central. C'est bien récupéré par Inigo Martinez. La passe d'Inigo pour Ikarta à gauche de la surface avec Vitor Roque. Vitor Roque toujours. Allez, Vitor Roque qui s'arrête. Ça repart de nouveau avec Cancelo qui récupère. Cancelo, la passe en retrait de Cancelo. C'est récupéré par Vitor Roque. La passe de Vitor Roque en retrait. C'est récupéré à gauche au milieu de terrain. La bonne récupération dans le rond central. Ça revient encore avec Inigo Martinez. La passe d'Inigo Martinez, ça repart de nouveau avec ce ballon qui est récupéré tranquillement dans le rond central. Allez, ça va être Ikarta à droite au milieu de terrain avec la prise de balle de la part de Koundé. Koundé, ça repart à droite aux 30 mètres avec la prise de balle de Rafinha et ça prend une balayette. Il y a faute, mais on laisse l'avantage. C'est joué rapidement avec Koundé. Koundé pour Ikarta avec Gundogan dans la surface. Le centre de Gundogan s'est dévié, premier poteau. 5 minutes de temps additionnel, 5 les gars. 5 minutes de temps en plus. Allez, le dégagement pour Las Palmas, ça va être dévié. Et c'est récupéré de nouveau pour les joueurs de Las Palmas à gauche de leur surface de réparation. La passe en retrait, le dégagement loin devant. Allez, ça va revenir à droite du rond central. Déviation, récupération barcelonaise avec Kubarsi. Passe en retrait risqué, mais c'est récupéré par Inigo Martinez. Allez, Inigo, ça repart à gauche du rond central. Comment va, Kitan? Allez, ça va revenir de nouveau latéralement, la bonne récupération à droite du rond central avec Kubarsi. La passe de Kubarsi, ça va revenir de nouveau de l'avant avec ce ballon qui est récupéré tranquillement par Koundé. Finito Kubarsi. On est censé avoir peur de ça, s'il vous plaît, avoir peur de quoi? Et attention, là c'est récupéré encore pour les joueurs de Las Palmas devant le rond central. Ouais, mais Marc, il est tout seul face à 4 joueurs et c'est récupéré pour le Barça. Et ça va repartir avec João Félix. Allez, Félix qui reprend, il va écarter à gauche au milieu de terrain avec Vitor Roque. Allez, Vitor Roque, il peut avancer. Vitor Roque toujours, il est bloqué par 2 joueurs. La passe de Vitor Roque en profondeur, elle est mal donnée, c'est récupéré. Récupéré facilement, Vitor Roque, les gars, pour l'instant, but Brentford. Ouais, c'est incroyable ça, ils ont égalisé déjà, ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Allez, ça repart pour Las Palmas à gauche du rond central. La passe en retrait, c'est bien donné. Ça va revenir encore une fois de l'avant. Avec ce crochet, le petit pont, il est passé là, devant. Et c'est comme d'hab, hein, c'est le bon vieux Romeu qui prend un petit pont. Ça repart à droite de la surface avec Marvin. Le centre de Marvin, ça va être dévié pour le Barça. Premier poteau, Marvin récupère entrée de surface. Côté droit, allez, il reste 3 minutes à jouer. La passe de Marvin en retrait, ça repart à droite aux 40 mètres. Ça va revenir au milieu de terrain côté droit avec ce ballon qui est récupéré de nouveau avec Campagna. La passe de Campagna pour Coco devant le rond central. Ça repart à droite du rond central maintenant. La bonne récupération latérale encore avec ce ballon qui est récupéré par Marvin à droite de la surface. Marvin qui peut avancer. Marvin qui va centrer et c'est dévié de la tête au deuxième poteau. Ça revient vers Romeu, mais Romeu rend le ballon encore à Marvin. Sombrero de Marvin, c'est récupéré aux 30 mètres. Ça repart à droite aux 25 mètres avec Marvin. La passe latérale de Marvin, ça revient sur lui encore aux 25 mètres. Il repart entrée de surface. C'est bien donné. Il y a un coup à faire, la passe à droite de la surface maintenant. Le centre sans contrôle, c'est dévié. Et Cancelo va récupérer à gauche de sa surface.
Cancelo récupère et il y a faute derrière, coup franc pour le Barça. À gauche de leur surface de réparation, Suarez qui commet la faute. L'entrée d'Oriol Romeu, les gars, a montré dans toutes les écoles, dans toutes les écoles de cirque. Il est rentré, il a pris un crochet, il est parti à Tataouine, il a pris un petit pont et il rend les ballons aux adversaires. Ah les gars, c'est plus Oriol Romeu, c'est Oriol Romeu, vraiment. Il est paniqué là, je sais pas, il y a un truc, il doit de l'argent à quelqu'un, c'est pas possible. C'est pas possible les gars, vraiment. Vraiment, le Barça a envie de se faire rembourser là. C'est devenu Oriol Romeu, les gars, inquiétant. Allez, le dégagement joué. Ah ouais, le double contact, c'est vrai. C'est vrai, le double... Les gars, dites pas flop. Oriol Romeu. Les gars, arrête, c'était bien. Ça, votre problème, les gars. De toute façon, les gars, lui qui est pas content, il vient, il fait un combat de sumo avec moi. Venez, si vous êtes des hommes. Ma parole, les gars, je vais organiser un combat de sumo entre nous. Lui, il veut venir là, je vais vous soulever. Ah, je te soulève. En vrai, ça va, Géry. Merci. 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 T'es éteint. Pleure, Bretic, je t'éteins. Regarde, Ethan. Ethan, toi, je te vois demain. Regarde ce que je vais te faire. Je vais te filmer. Regarde ce que je vais te faire. Si je te mets pas par terre, en plein Champs-Elysées, je vais t'envoyer une balayette en plein milieu des champs. Regarde. Champs-Elysées, par terre, je vais te filmer. Bah alors, Ethan. Bah alors, on est nul. Attends, tu vas voir. Allez, ça repart pour Las Palmas, ballon récupéré par Félix. Allez, long dégagement de Félix, ça va être récupéré pour Las Palmas, il reste 20 secondes à jouer. Et c'est récupéré par le gardien avec Aaron. Allez, Aaron qui peut avancer. Allez, Aaron, il va repartir encore une fois vers l'avant. C'est récupéré à gauche du rond central, il reste 10 secondes. La passe est déviée pour le Barça, mais c'est repris pour Las Palmas. Ça repart avec Aaron, est-ce que l'arbitre va laisser ou est-ce qu'il va siffler? Il va siffler, c'est terminé. Le Barça s'impose. Le Barça s'impose. Et le Barça n'aura plus de match jusqu'au PSG. Ça y est. Le prochain match du Barça, c'est le Paris Saint-Germain. Pendant que nous, le PSG, on a trois matchs à faire. Le Barça en a plus. Le Barça en a plus, les gars. Pendant que nous, on en aura trois à gérer avant le match contre Barcelone. On en aura trois à gérer. Le Barça, eux, c'est terminé. Le Barça, eux, c'est terminé. Pourquoi ils ont plus de match? Parce qu'il y a la finale de la Copa demain, samedi prochain. Donc la Liga n'a pas lieu la semaine prochaine. Donc eux, plus de match. Par contre, les gars, ça fait qu'ils vont quand même passer 12 jours. 12 jours sans jouer. 12 jours sans jouer. 12 jours sans jouer, les gars. Bon match, mais on rate beaucoup. Mais on rate trop abusé. Ouais, vous ratez énormément. Vous ratez énormément. Après, tu sens quand même qu'il y a des joueurs qui ont levé le pied là aujourd'hui, JP. Tu fais l'essentiel, tu vas chercher la victoire. Tu fais l'essentiel. Parce que là, tu mets la pression sur le Real qui a quand même un match important contre Bilbao. Et c'est pas dit qu'il gagne. Imagine, le Real gagne pas demain, t'es de retour à 6 points. T'es de retour à 6 points. Ce qui fait que tu peux arriver au Classico avec 6 points d'écart. Derrière, tu gagnes le Classico, t'es à 3 points. Ouais. Après, si le Real gagne demain, bon, c'est autre chose. Mais ouais, c'est pas dit. Hein. C'est pas fait, frérot. C'est pas fait. Hein. L'espoir est encore là. Là, t'es à 5 points, là. T'es à 5 points, en vrai. Après, faudra voir ce que le Real fait demain contre Bilbao. Faudra voir demain le match contre Bilbao. C'est surtout là que ça va se jouer. C'est surtout là que ça va se jouer. Bon, en tout cas, les gars, je le répète avant que vous partiez. N'oubliez pas. Demain, je commente le match PSG-OM sur la chaîne YouTube de Winamax avec Momo Eni. C'est le classico après le Grassico. C'est l'heure du classico. C'est l'heure du classico, les gars. Donc, si jamais, n'oubliez pas, on est sur Winamax. Et là, comme je vais couper... Merci. Non, pas de débrief, les gars, pas de débrief. Je vais aller me poser tranquillement. Je vais aller me reposer tranquillement. Les gars, merci à tous d'avoir été présents. Encore une fois, merci à tous. Bah, bonne chance au Barça pour le match contre le PSG qu'on commentera de façon ensemble sur la chaîne. Mais demain, les gars, 20h15, chaîne YouTube de Winamax, PSGOM avec Momo Eni. Pour ceux qui veulent du divertissement et qui ne l'ont pas encore vu, je vous mets le lien du combat de sumo. Je vous mets le lien du combat de sumo, les gars. Je vous mets le lien du combat de sumo avec Momo. Ceux qui veulent aller le voir, c'était vraiment marrant. Donc ceux qui veulent passer un petit moment à rigoler, je vous mets le lien. Par contre, les gars, je vous invite à mettre en commentaire. Je vous mettais en commentaire, les gars, du débrief. Déjà likez, mais vous mettez en commentaire du débrief. On veut les angles morts, Momo, assume tricheur. Vous mettez ça, les gars. On veut voir les angles morts, Momo,
assume tricheur. Vous mettez ça les gars. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Bon, en tout cas, merci à tous en tout cas d'avoir été présents. Vous avez été exceptionnels. Vraiment, vous êtes les Gout. Vous êtes les Gout, les gars, ça bouge pas, non. Vous êtes les Gout. Non, pas de débrief. Pas de débrief. Il y aura un débrief du PSG demain quand je rentre. Bon, attends, je vous dis le planning par contre. Je vous dis le programme. Demain, Winamax, on commande PSG-OM avec Momo Eni. Y a pas... J'ai dit débrief. J'ai dit débrief. J'ai dit quoi? Pourquoi j'ai dit débrief? Pourquoi j'ai dit débrief? Hein? T'es débile. Ah, je vous ai dit de mettre en commentaire ça sur le débrief, non? En commentaire sur le combat de sumo. Ouais, je suis con. Mettez ça en commentaire sur la vidéo de Momo, les gars. Ouais, tranquille. Vous mettez, je sais plus de la phrase que j'ai dit, je sais même plus ce que j'ai dit. Mais non, pas de débrief. Du coup, demain, Winamax, PSGOM avec Momo et Nila Fraude, en détente. Il y aura un bras de fer. Les gars, soyez là dès le début, 20h15. Parce qu'il y aura un bras de fer entre nous deux. Le perdant offre une Play 5 à quelqu'un. Moi, j'aurais envie de choisir quelqu'un dans le chat directement. Peut-être que ça sera différemment, mais soyez là. Comme ça, vous êtes sûr, au cas où. Donc voilà, donc demain, le classico. Quand je rentre chez moi, j'ai 3 heures de route. Je sors le débrief. Le débrief sortira du coup lundi à 3 heures du matin, un truc comme ça, 3-4 heures du matin. Lundi, l'après-midi, vers 17h, sortira le best-of du live avec Momo. Du coup, lundi, il n'y a pas de live. Mais en tout cas, il y a deux vidéos, débrief plus best-of, qui vont sortir. Mardi, je ne live pas. Mercredi, je commande PSG Rennes, forcément, Coupe de France. Jeudi, on live sur Twitch. Là, par contre, comptez sur moi, je serai là sur Twitch. Vendredi, je ne live pas. Il y a Lille-Marseille vendredi. Il y a peut-être moyen que j'aille au stade. Il y a peut-être moyen que j'aille au stade. Bon, bref, vendredi, je live pas. Samedi, on fera PSG Clermont, ça c'est certain. Il n'y a pas de Liga, donc ça va être plutôt calme aussi. Non. Et voilà, ouais, on fera PSG Clermont samedi. Comme ça, vous avez le planning, les gars. Comme ça, vous avez le planning en détente. C'est bon. Allez, merci à tous. Merci à tous. Prenez soin de vous. C'est quand le combat de sumo? Il est sorti, je vous remets le lien. Prenez soin de vous, les gars. N'oubliez pas d'aller follow sur Insta, sur Twitter, les gars. C'est là-bas qu'on parle. C'est là-bas qu'on parle le plus facilement possible. Twitter, interactif à fond. Insta, un peu plus compliqué, mais je poste mes stories là-bas. Donc, allez là-bas. Merci à ceux qui s'abonnent et qui like avant de partir. Vous êtes les gars, rendez-vous demain. Prenez soin de vous. Ça m'a fait plaisir de repasser un petit moment avec vous, les gars, parce qu'on n'a pas live depuis longtemps. Prenez soin de vous. Merci à vous d'avoir été présents, vraiment. Je peux pas faire City Arsenal demain. Je serai sur la route pour Paris, donc c'est mort. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gout et à demain. Bye bye. Je vous aime, force à vous les frères. Et n'oubliez pas qu'il y a le changement d'heure. N'oubliez pas.